Peut-être qu'il nous rejoindra quoi le bébou. Alors mon héritage. Non, je veux pas aller dans mon héritage, je m'en fous de mon héritage. Non, je veux jouer, multijoueur. Faut j'en ai une partie. Oh, il y a beaucoup de gens qui jouent là. Il y a 5 games. Eh ben. Mais est-ce qu'il y a la partie du Big Swagger? Ah bah il y a le Big Swagger évidemment. Ah. C'est bon. Big Swagger. Alors, va falloir stratégier là. Du coup, qu'est-ce qu'on a... ouais, on avait dit alors, il y en a 3 qui partent recruter et 3 qui devaient faire autre chose. Mais et qui a le Honor explorer un peu. Bon, autant on envoyait les 3 explorer Honor. Ouais, mais du coup, qui? Bah, les plus les proches. Les faibles, hein. Ceux qui sont level 1. C'est ça le problème, c'est que c'est les plus proches. Ouais. Il y a quand même Scooter en vrai, il y a Scooter dedans. Ah, il y a Kenter et Scooter, ça va. Ouais, je pense. En fait, on verra le niveau de difficulté du combat surtout. Genre, si on arrive dedans et que c'est genre level 10 de difficulté, on le fait pas. En tous les cas, au pire, on peut explorer et c'est pas ça le plus long en fait. Bah, go faire ça. Ou bien on les envoie tous explorer et j'envoie genre Simulek recruter vu qu'il est rapide sur les cases. En vrai, pas en Osteron d'envoyer un seul recrute. Si, en vrai, oui. Mais dans ce cas-là, autant envoyer Kenter, il est moins fort que Simulek. On a plus besoin de Simulek au combat. Mais est-ce qu'il va aussi vite que Simulek? Bah, c'est un chasseur, donc je pense, ouais. Hein. Ouais, en plus, il est plus jeune, il doit être plus vigoureux, il doit courir plus vite. Et il est plus proche aussi. À toi. Attends, je vais te dire ça. Ouais, Simulek est à 22 jours. Je pense que là, les jours, on ne met pas les ouais, bon, allez, ici, go Kenter à 26. Go envoyer Simulek alors. Simulek, le Chad. Et le reste, on les envoie explorer à. Bah, au premier. Ouais. Hein. À noyer. De toute façon, c'est au sud qu'on doit aller, c'est pas là, là c'est vraiment oui, du bonus. Là, c'est vraiment juste du bonus. Hein. Ouais. Mais je me dis, ce serait pas. Je prends compte du bonus là avec. Simulek pourrait même commencer à taper le col à la chaîne de montagne en fait, au sud là. Ah, bah oui, t'as raison. Bah oui, effectivement. Donc ouais, c'est bien qu'il y ait aussi. Go faire ça. Bah du coup, explore là-haut. Hein. Bah de toute façon, on aurait pas pu y aller avec Simulek. Bah oui, t'as raison. Y'a pas la place. Allez hop. Voilà, ça bouge. Ça bouge, ça bouge. En vrai, c'est surtout... Coup, là, ce que je me demande, c'est où est-ce qu'on va se faire attaquer. Oh. Ah bah oui, non, oui, je suis con. tu voudras la jouer, elle? Bah toi tu joues déjà le fils donc je vais c'est à mon tour ouais. Ouais. Alors allez à ouais, toi. Oh lui le romantique oh, intellectuel non. Ah bah oui voilà. Je peux pas le modifier? Ah si oui. Je peux. Non mais on va le laisser comme ça. On changera si vieille. Ouais très bien. Je lui nomme père jeu contre. Alors bon, le BG Boys Club, enfin un chemin sillon. J'ai attendu ce moment toute ma vie. Ah, faut que je dise en même temps que le meneur. Ok, voilà, c'est bon. Tellement vieux. Ah, j'avoue que quand même croiser un caca. On n'existe pas depuis si longtemps. Bon, quand même, ça fait peut-être 40 ouais, ans qu'on existe. Ouais, genre, on a commencé, on avait 20 piges, hein, là, et on a 50 piges de pour un pas. Hein. On n'existe pas depuis si longtemps, mais si vous voulez, je pourrais vous... Nous manger quoi? Écoutez, mon père était un vacher de grand renom. Un c'est vacher, quoi ça? Oui, gérer des vaches. Ah ok, un vacher. Pas parce qu'il était doux avec le bétail, hein, mais parce qu'il avait battu un dieu taureau en combat singulier. Bon, comment il le dit normal? Non, vous savez, il est trop fort. Et mon grand-père, oh, c'est bon frère. C'est si on en croit la légende, il a tellement fait peur à une inondation que l'on préfère faire demi-tour en... avant d'atteindre chemin sillon. Eh, si c'est pas des cracks, en vrai c'est utile hein, pour nous. C'est pour ça que la ville reste connue pour son incroyable musée d'artefacts magiques. Je crois que je connais cette histoire. Oui, mec, bref, c'est un vrai gars en fait. Le sang d'une lignée exceptionnelle coule dans mes veines. Vous imaginez un peu la pression. Alors je cherche une chance, n'importe laquelle, de faire ma propre réputation. Ah, je vois, il veut enfin avoir un nom au lieu d'avoir le nom de sa famille. Permettez-moi de me joindre à vous. Très bien, on va voir si on peut tirer quelque chose d'utile de tout cet héroïsme familial. Enfin, un guerrier, en vrai. Oui, en vrai, vu que nos guerriers vont mourir, je pense que ouais, guerrier oui. Direct. Et en plus, il y a déjà Scuta qui est affaibli, là. Ok. Alors, bah du coup, on reprend la pause, là. De toute façon, Juno, je dois l'entraîner ouais, aussi. Ouais, tu dois l'entraîner, voilà. Les deux qui se ramènent là pour aller explorer. Ouais, on arrive, ils sont on arrive. Ouais, bah oui, on n'a pas de ranger là. Ouais. Mais ils arriveront à temps, je pense. Bon, avant d'explorer, on continue, on les fait venir, quoi. Ouais, oui. Hop là, voilà. Ah, pause.
Alors, puissance 6. En vrai, ça se fait. Oh oui, oui. Purée, mais là, du coup, on pourra pas se battre avec tout le monde. C'est-à-dire ? Bah, après que tu auras Simulek et l'autre, ah, là, oui. Il y en aura deux qui pourront pas se battre. Bah, faudra choisir bon, en fonction ça... des situations, de ce qu'on on voit. On va au moins améliorer Igun Boucle. Ouais. ah, c'est moi. À la distillerie Feliland. Oui, Feliland. J'ai lu un livre sur cet endroit. Personne ne sait exactement qui vivait ici. Certaines rumeurs racontent même que les habitants n'étaient pas humains. Comme à son habitude, Rat marche un peu en retrait. Oh, t'es tellement 2010 là. Je suis tout vieux, tout bleu. Voilà pourquoi il est le premier à remarquer que le groupe n'est pas seul. On nous suit. Sans bruit, il se laisse distancer encore un peu, puis repart dans l'autre sens pour prendre ses ennemis potentiels à revers, mais... C'est pas contre qui, là? Je suis Chad, hein. Voilà l'endroit parfait pour tendre une embuscade à quiconque se trouve sur le talon. Je crois que tu deviens juste fou, hein. Une humaine. Ah non. Oh, le magicien. On ne bouge plus. Ah. Tu vas bien, Rat? Oui, Gassa, j'aime juste pas qu'on me suive. Alors. Oh, je sais pas. Encore quelqu'un. Mais de toute façon, on la connaît. Ouais, peut-être, hein. C'est le plus jour de ma vie, j'en rencontre enfin le seul et unique rat de la compagnie, le BG Boys Club. Ah, oh, mais on est des stars. Ouais. Et vous êtes Igasa, vous êtes bien mis en règle dans les histoires. Tu nous connais? Bien sûr que je vous connais, je suis Colnassa. On a pas loin de. À une lettre de Prince Alphonse. Colnassa. Ta plus grande admiratrice. La plus grande? Oh, parce qu'il y en a d'autres. Ah, peu importe. Comment savoir que tu n'es pas une espionne? J'ai l'air blasé. Oh, bien vu ça. Une espionne? Oh non, vous vous trompez, je ne suis pas là pour vous espionner. Je suis là pour me joindre à vous. Bon, oh bah let's go hein. J'ai toujours voulu être membre de votre compagnie. J'ai entendu des barres chanter vos exploits à la taverne. Oh. On n'a jamais affronté ça. Attends, peut-être elle, oui. Je savais que je devais me joindre à vous, je me suis exécré au maniement des armes de tous les jours. Tous les jours, pardon. J'ai même défendu mon village contre plusieurs attaques. Monsieur, c'est une légende. Ouais, hein. L'autre jour, j'ai appris que vous étiez dans le coin, je suis parti immédiatement à votre recherche. Et bien voilà. Laissez-moi vous accompagner, je me suis entraîné sans relâche, ce sera un atout, c'est promis. Bah, elle a l'air pour remplacer Simulek en plus. Attends, notre groupe est déjà assez bien grand, tu seras. Bah ouais, go, de toute façon, on va mourir d'âge, donc faut qu'on ait le plus possible ouais, bah oui. Hein, des jeunes. Hein. C'est un héritage, ça, littéralement. Mmh. Bienvenue parmi nous, Colnassa, plus on est de fous, plus on rit. Vraiment coup, attendez tu pas. Joues, toi, ou... Bah, du coup, moi je jouais l'autre guerrier, et toi tu vas. Enfin, moi j'ai déjà Igun Boucle. Oui, bah moi je vais avoir l'autre là, celui que t'entraînes. Ouais, c'est sur ce combat. Première leçon, ne pas crier youhou avant un combat. Oui, pardon. Attendez, un combat, on va se battre. J'avoue qu'elle n'est pas ton meilleur moment. Étage moins 2. Ah, et oh, du coup, elle level up déjà. Bah, je te laisse gérer. Hein. Oh, c'est trop fort ça. Attaque en 3 rounds, les attaques au corps à corps, un fil. Oh, ouais, c'est bien ça. Oh wow. Merde. Oh merde. Oh là là. Oh, Simulek. Heureusement qu'il n'est pas là. Oh là là, Simulek qui va être le seul. Il va être. Ils sont où les copains? Ils sont tous morts. Je fous. Ah, t'as vu ta jambe? On dirait que elle est faite en bois magique. Oui, je t'avais dit. J'ai une jambe en pierre maintenant. Ah, j'avais pas vu. Alors attends, moi je vais me placer où? Ah bah, je vais déjà faire des. Ça... Ah, dedans c'est quand même un peu grand. Hein. Ah ah, moi aussi je peux en faire. Oh, mon dieu, c'est le magicien. Je peux faire des pluies brûlantes. Voilà, ici. Qui a ça? Kenter. Oh, Kenter, il va se trapafeutrer là, comme d'habitude. Et moi. Attends. Ah, et toi? Pardon, j'étais en train de trouver les acariens. Ah, ok. J'avais pas vu qui parlait. Tu me dis, tu ouvres la porte hein, avec Yassa, je te laisse faire. Il y a tout le monde qui va sortir là. Okay. Yes! Étage suivant. Oh oui, d'accord, t'es à l'écage, toi. Ouais, ça va les couilles. On va peut-être bloquer Kenter en restant ici. Ah, oui, bon, j'allais bouger. Kenter, hop. Bon, bah, j'ouvre la porte, hein, attends, hein. Allez! Oh direct! Je me recule du coup là en vrai. Hein. On les laisse venir. Hein. Oui, en vrai, oui. Hein. Moi je recule aussi avec lui.
On les prend dans la pièce là ou on recule encore plus et on vient en bas. Avec les 3K qu'on les prend dans la pièce là. Ouais. Go faire ça. Vigilance. Quant à moi, interfusion, j'interfuse. Il attaque ça. À distance en plus le sanglier là. Ça va c'est être un mage ça. En fait. Ah bon, c'est un mage. Ouais, je suis sûr. Je crois. Moi je vais juste rester là tranquillement. Attendre. Je pourrais aller attaquer direct en frontal. Ah mais il a tellement d'HP. Il y a encore l'autre tank derrière là. Ah non mais je suis avec mon arc, je veux pas être avec mon arc. Donne-moi ma dague. De toute façon je peux pas bouger du coup. Ouais. Je vais me mettre là. Du coup il va pouvoir toucher Igasa le sanglier. Ah non, t'as vu ce camoufle. Oh voilà. Oui. Voilà. Ok. Alors là, volet de feu. Non, je vais pas faire volet de feu, je vais juste aller attaquer avec ça. Je peux plus rien interfuser en fait. Ouais, c'est parce que t'as une limite avant, après il faut utiliser. Ah, je vois pas la vie qui perd. Oh, ils perdent aucun HP, frère, ils sont juste trop strong. Ouais, c'est Kenter. Hein. Hop là, Kenter reste sur le côté, on va laisser venir tranquillement. Quant à moi. Je peux rien interfuser à l'intérieur en fait. Ah, par contre, lui, je vais. Oui, du coup, par contre, je suis beaucoup plus fort avec mon perso. Voilà, je vais le one shot. Il apparaît. Oh, oh merde! Oh, MG. Oh, les pièges de simulac auraient été pratiques là. Ouais, de ouf, hein. Je peux provoquer le bord, mais bon, ça sert à rien parce qu'on peut fuir. On peut se replier. Non, à droite. On peut tenter de les tuer avant de se. Non, non, mais... Oui, non, mais je viens de voir qu'on a l'option là, quoi. Pour l'instant, j'attends. Je vais juste les laisser venir doucement. Hein. Il me reste qui à jouer, moi. Bah, personne, c'est toi. Bah... Avec son arc, elle peut toucher, non, déjà d'ici. Ouais, 59% de dégâts. Oh, bah. Oui, mais avec entrave, les flammes, normalement, il va mourir brûlé. Hop là. Et l'entrave, c'est fort. Hein. Prends le cervidé. Ah, sans explosif. Et plus explosion. Plus explosif. Oh non. Oh non, pas Scuta. Ah, t'es merde. Dead. Je suis doux med. Parade. Alors Scuta, déjà tu vas reculer, hein. Oh non, je vais en tuer un. Alors, est-ce que tu penses qu'il me fait mal d'explosion? Ah oui, 4 à 7 d'explosion. Oula. Il me fait mal si je le touche. J'essaie de te donner un buff mais j'y arrive pas. Est-ce que tu peux juste donner un seul coup à la tortue? Parce que du coup je peux la tuer je pense si je... Ah oh, mais y a, j'ai donné le buff à Kenter je crois. Ouais. Attends mais c'est juste de me déplacer mais je peux pas. Moi, je pouvais juste me déplacer qu'une fois, je pouvais pas... Au pire, je recule et on se met en défense tranquille, on attend qu'il revienne encore. Oui bah... Elle rigole pas, Kondnasa. Hein. Ah, tu pourras pas trop reculer, malheureusement, là. Quoi? Tu comprends les risques? Pourquoi? Lui, il explose aussi? Oui, quand il meurt, il explose du sang au cul. Non, mais je croyais que c'est les cervidés, parce que quand je tape la grenouille aussi, elle explose apparemment. Oui, la grenouille depuis le début. Et le cervidé, c'est parce qu'il a le sang explosif. Eh bien... qui c'est que j'ai envie qui ait peur, là En plus, le cervidé... Ouais, plus le sanglier, hein. Il y a un sanglier, là? Bah, le gros truc, là, derrière. Ah, non, gauche. Je peux pas le toucher, c'était les deux devant. Ah. Bah tu le tourbares, donne-lui un coup. Ouais mais je prends des dégâts. Mais combien? Ouais mais en fait c'est pas une question de combien, c'est que derrière il y a un ours et il y a un barotte. Bon pire allez, advienne que pourra. Oui je sais, je prends des dégâts, je comprends les risques. Bah ok bah c'est super. C'est super ça, j'adore la vie. Ouais mais de toute façon en plus elle est en moins 15 de précision donc Scuta elle est plus trop... Elle est plus trop top de sa forme quoi. Feu captif là. Vol de feu. Oula. Je peux rien faire, purée. Je peux. Ah, attends, je tente des choses. Alors, je peux soit one shot le cervidé, soit faire des gros dégâts à l'ours, soit faire des moyens dégâts à l'autre. Autant faire des gros dégâts à l'ours. Le ouais. Cervidé, on peut après, je peux tuer la grenouille et en plus faire moitié d'HP au truc magique là. Ah bah oui, évidemment. Oui, je comprends les risques. Ouais, Scuta, je suis pas sûr de si elle va survivre ce combat. Alors, Kenter, il peut s'approcher. Ah, je peux aller tenter d'aller tuer le Barouf. Je vais essayer. De quoi?
Ah, le Bartot. Ouais. Ok. T'as plus de camouflage hein, quand tu prends des dégâts. Oh, je fais un point de dégâts avec. Oui, parce que t'es pas camouflé. Eh bien, déplaçons-nous du coup. On retourne en arrière. Tu vas prendre des dégâts du poison au sol. Ouais, mais entre ça et mourir. Oh no shit, il y avait des ratons là-dedans. Esquive! Oh, petite esquive. Oh bah, oula. Moins de armure, c'est ok. Oh, 3 de dégâts. Ok. Parade. C'est les stonks, attends, hein. Je te renforce. Merci. Oh, attends, je peux encore faire du feu captif. Non, je peux pas, si. Je peux faire 95 de... Attends, je tue presque le cerf. Vas-y. Je peux taper bien fort l'ours, hein. Bon, vas-y, hein. Ça, ils sont tous bien affaiblis à part les ratons laveurs. Ok, ensuite. Bon, le mage il peut absolument rien faire dans mon game. Bon, pas furtif donc de toute façon il sert à rien. Le mien. Ah, je peux pas le toucher d'ici, fait chier. Par contre, je peux interfusion des trucs. Renard de pierre. Comment ce temps, Simulek. J'avoue que si. Simulek il vit la belle ville, hein. Allez, toi. Scootavon, 63% de chance de prendre 1 à 3 de dégâts. Mais du coup, je tue le cerf. Allez. Yes. Ah. C'est bon si on peut recruter des trucs de d'une autre race. Je pense, hein. Moi, je... Ouh. Ouais, t'inquiète, l'armure. Oh. Oh. Bon, Scoota, je pense que je vais la faire reculer, hein. Je pense qu'elle va aller se reposer un peu. Vigilante. Iga, c'est en sortie. Bon, Iga, ça va mourir si. Attends, je pense que je peux tuer le cerf. Oh, j'ai tué les deux, let's go! Enfin, non, j'ai tué le l'ours. T'as pas tué le cerf. Si tu peux décaler ton match, ça m'arrangerait. Alors attends, je vais. Non, je peux plus le bouger. Je vais aller avec avec... Ah bah voilà, bah je peux plus y aller à cause de l'eau de ce putain de cerf. Qu'est-ce qui se passe? Ah ok, t'inquiète, c'est Igasa. C'est Igasa qui est en légende encore. Ah bon, Igasa va prendre Igasa, tard, en légende. En légende de la mort. Oh. Bah décale là en priorité, hein. Ouais, mais elle va mourir. Une tuile au-dessus et nous on va avancer pour essayer de la sauver, hein. Ouais, mais y'a que Scoota qui peut tanker. Attends, je peux faire mon feu captif, est-ce que je peux? Non. Vol de feu. Il bouge beaucoup là, y'a ça qui. Non, t'inquiète. Attends, tu sais quoi? Ah, oh, mais j'ai pas envie de faire tuer ce personnage, au secours. Scorat, au pire, je peux le déplacer et peut-être tenter de faire un vol de feu pour one shot un raton laveur, mais c'est risqué. Hein. Bah, tu peux envoyer Scoota, hein. Scoota. Ah, mais elle a plus d'HP déjà. Bah, comparé à Yigasa. Elle sert à quoi mon pet? Ah non, en fait je peux pas l'envoyer, elle va mourir si je le pars sur le fluide bleu. Elle perd une protection, elle ne mourra pas. Vigilance. Ok, wow, tu aimes le risque. Ah non, je sais dire. Ah. Je peux rien faire de là. Pire de là. Et que je peux rien faire du tout, hein. Il y a trop de je bleu. Ah, le mage, je peux rien faire là. Scoota. Oui, il a ça, tu vas pas en faire grand chose. Ouais, ça, elle aussi. Elle... Oh non! Putain. je me suis trompé de perso. Est-ce que tu comptes bouger Scoota ou pas? Ouais, Scoota, elle va descendre là. Puis là, je fais là. Ton feu il dérange aussi. Ouais, un peu. En fait, mais ton magicien peut l'éteindre, je crois. Hein. Bah, avec quoi? Bah, la magie, connard. Bah oui, mais super, mais laquelle? Alors attends, est-ce que je peux pas l'éteindre juste comme ça? Oui. Éteindre... le feu. Voilà. Bah j'ai la chef, Canter. Hein. Ouais, bah écoute, c'était ça ou rien. On est juste trop mal placé, là. Ouais. Et Scoota, fais dodo, hein, t'es en train de mourir. Hein.
Kenter. Kenter. Bon, je vais le repasser en pafutré. En dessous. Hop là. Quant à moi. Bien joué. Konasa, vraiment là. Konasa squal. Bon, toi, tu vas rester là. Interfusion. Ça. Non, j'ai déplacé Scooter. Oh merde. Oh, troquet, elle peut revenir en arrière. C'est dommage que je peux le rendre aveugle. Ok, c'est bon, il est aveugle. Ah, le problème, c'est que tout le monde me bloque le passage au mage. Ouais, là, est le problème. Ouais, mais bon, il est aveugle au moins. C'est bon. Rate le tank. Ouais, 30% de chance de toucher, c'était pas ouf. Interfusion. Oh là là. Oh, le lancer de disque pour la tentacule, ça va être bien. Ça va peut-être le tuer. Oh, j'aurais voulu juste parfaitement placer pour me casser les couilles. Oh, je tue. Bien joué. Et bah voilà. Tellement de dégâts le mage en fait. Que de galère, mais on a gagné. Oh, Kenter qui level up. Ignbox. Let's go, level 2. Alors, tire performance, attaque contre avant, les attaques au corps à corps. Attends, écro épineux, c'est l'élimination d'une cible. Non, on ne va jamais éliminer de cible. Enfin, par combat, peut invoquer des esprits de vent qui l'emporteront sur une case éloignée. Non, c'est bon. Comment ça, d'éliminer aucune cible? Ouais, bah, il fait des dégâts, mais je veux dire, il a jamais tué beaucoup d'ennemis pour l'instant, Kenter. En même temps, il a eu le temps de briller genre 3 fois. Ouais, mais en vrai, je trouve attaque contre avant, c'est mieux. Ouais. Wow. Alors dégâts bonus. Oh, regarde Igasa pendant sa retraite à la fin de ce chapitre. Elle va élever son gosse. En vrai, je serais. Konasa, ça a l'air pas mal. Hein. Ouais, t'as raison. Mais après, on la joue pas actuellement dans le groupe, donc. En vrai, oui. Moi, je suis chaud avec mon perso parce que j'ai pas beaucoup non plus, mais. Petit Simulek là. Ah ouais. Simulek. Ah, Simulek à moins que toi. Attends, ça, c'est quoi ça donne? Ouais, c'est juste des. Ok, vas-y, ouais, ton Simulek. Quoi? Pourquoi on joue? Ah, non, c'est le temps. Ok, ah, une Gorgone. Toujours plus. Ok. On peut sécuriser. Bah ouais, en plus, on a besoin de se soigner, donc go sécuriser. Hein. T'as sécurisé ou quoi? Non, je te laisse faire. C'est parce que je veux pas cliquer parce que sinon c'est bon, on peut trouver un objet là. Ah, mais non, mais clique-toi parce que moi ça va faire avec Simulek. Ah, ok. Hop. Trouver un Simulek. Objet, hein, on est d'accord. Oh, oui, 200 fois. Tout le monde. Ah, Scooter, elle peut pas. Attends, mais je vais. Est-ce qu'elle se régénère quand même les PV si elle travaille pas? Oui, je sais pas ça. Bon, écoute, faisons comme ça. Ah, l'entraînement, la recrue est prête. Alors, qu'est-ce que je vais choisir? Après le Doulou, après avoir tué un ennemi, améliore la vitesse des alliés de 2 pour ce tour. T'en penses quoi? Ça a l'air bien. Ouais. Et les autres, c'est une quoi? Lacération et dégâts. Ah, tranche bouclier, c'est pas mal aussi. Hein. Ouais. Faire 2 points d'armure d'un ennemi avec son arme prend compte comme une action rapide, utilisable un tour sur 2. Ah, tranche bouclier, ça a l'air pas mal. Hein. Tranche bouclier ou appel du loup du coup? Bon, je suis plus tranche bouclier. Parce ouais, qu'encore on a pas mal de gens qui attaquent à distance. Hop là, tranche bouclier. Et il a un flow maintenant, Simulek. Voilà, site terre sécurisée. Ouais, c'est génial. Rondin, peau et fibre magique. Oh, genouillère de divinité. Alors ça donne quoi? Protection plus 8. Qui c'est qui est en galère? Alors Scooter, bah, Scooter forcément, vu que c'est qui doit tanker. C'est hein. Le tank, ouais. Hein. En vrai, Igasa a très peu envie de lui donner des trucs vu qu'elle va nous lâcher à la fin. Elle va partir à la retraite. Elle est déjà à 4,8, ah, ça du coup, je donne à Scooter. Hop là, bah du coup, nous on va se déplacer, on va rejoindre le chemin coup, pendant que toi tu fais avec l'autre. Ça. Au travail. Alors voilà, et. On va mettre les guerriers avec moi. Ouais, mets les guerriers. Travaille plus vite. Ah, attends, pause. Ouais. Il faut que moi aussi je vienne, je me déplace. Qu'est-ce que je fais? Je rejoins aussi l'équipe ou... Ouais, je rejoins l'équipe en vrai. Hein. Ouais, parce que là, vu les combats, comment ils ont l'air durs, autant qu'on soit tous ensemble. Voyage en groupe, ici. Voilà.
Bon, on aura tout le temps du monde pour ce heal là. Ah, Scuta n'est même pas encore heal, et Gassa non plus, hein. Et Kenter non plus. De toute façon. Attends, on peut pas aider pour creuser, faut que ça aille plus vite. Ah si. Donc Scuta, Gassa, et on mettrait là. En tout cas, Kenter est full vie. Ah bah, il reste juste Scuta à améliorer. Alors attends, qu'est-ce qu'on. En vrai, j'ai d'avis pour enlever quasi tout, moi, parce qu'on a trop de trucs déjà. En vrai, non. Je pense que ce qui est Draven, on peut les garder. Comme on a que des Gorgones et des Trixil, on peut enlever les deux, comme ça on est sûr de pas les avoir en plus. Hein. Ouais, mais pour l'héritage, autant garder, je suis sûr que ça servira à un moment. Ouais, mais on en utilise jamais énormément beaucoup, et en plus, on va en regagner, donc autant utiliser. Parce que ça commence à faire beaucoup. Je suis sûr qu'on va devoir en utiliser, parce qu'on passe quand même déjà à 7. Hein. Ouais, mais 7, ça va, c'est assez. Hein. On n'a pas besoin de beaucoup en général. Hein. Non, pas. Oh, les Gorgones, frère, il y a tellement. On peut fabriquer un arc pour Colnasa. Ouais. Ok, bah du coup, go continue à creuser. Hein. Comme ça, tout le monde est full vie. Et nous, on a creusé. Et en vrai, le nombre de jours, c'est si long avant une seule case d'inondée. On a tellement le temps. Mm. Bah go explorer. Alors attends, on prend qui du coup? Attends, on va dégager le match qui me suit. On prend Igasa. Colnasa, le dégage, on va prendre Scuta, parce que c'est Scuta. Bien sûr. Et ouais, bah gardons notre équipe, on laisse les jeunes tranquilles de côté. Est-ce qu'on du coup on prendrait pas quelqu'un d'autre à la place d'un des vieux en vrai pour XP? Gars, elle a beaucoup moins de travail, Igasa. Genre, elle est fatiguée vraiment, elle est à x0,6. Hein. Je pense, Igasa, on la met de côté et on prend un nouveau pour l'entraîner. Hein. Je vais littéralement jouer que Simulek. Ouais, mais après, ça va, on peut intervertir. Tu peux jouer un de mes persos si tu veux. Non, moi, je reste sur Simulek, ça me va très bien. Du coup, on prend qui? Bah, du coup, on prend le guerrier à la place du guerrier. Bah, go. C'est parti. Ouais. D'accord. Faut faire. C'est en pause. Ouais, ça... Ah, mais attends, avant. Ouais. Avant, ils ont envie de faire quelque chose. Ils peuvent pas faire quelque chose. Genre, on leur fait mettre un bouclier. Renforcer. Ouais, on leur fait mettre un petit bouclier quelque part là. Rang 3 carrément, ouais. Évidemment. Bon, c'est les 3 là. Attends, non, oui, c'est ok, j'ai cru qu'il y avait quelqu'un d'autre. My bad. Hop là, déjà niveau 1. Ils ont exploré tous les horizons de Bois Aiglefren. Depuis bientôt 2 jours, des sentiers tortueux emportent Rat et Scuta sur des pistes. C'est vous les persos principaux. sur des pistes toujours plus sauvages. Si vous finissez pas en couple, ce jeu va mal. Mais moi aussi, hein, je comprends pas. Hein. Seul le chant des oiseaux, des loups et du vent les accompagne, agrémenté parfois de celui des criquets et des pivers. Ils ont laissé les autres en bas, libres d'explorer des sentiers plus familiers. Oh, tu chantes, laisse-moi. Ils dressent le camp un soir au milieu d'un bosquet de sapins. Leur senteur est différente de celle des arbres de la forêt. Ah, Rat, je sais pas ce qui va. La terre sans lune était bleue, et tu étais chacune des étoiles du ciel. Ça rime même pas. J'oublie toujours ce couplet, mais il me semble que non, ça ne me revient pas. De toute façon, je dois préparer le dîner. Ah, c'est toi qui cuisines maintenant, c'est cool. Oui. À dîner pour deux, pourquoi elle a dit ça comme ça? Est-ce que non? Je vais me faire des idées, ça y est, je vais faire chaud, Scuta! Rat, viens ici, s'il y a des nichons, je vais mettre un câble! Est-ce que c'est le moment? Scuta, un problème? Tu t'es fait mordre par un serpent, c'est ça? Zou! Un serpent? Non, mais tu dois absolument me suivre parce que, enfin, suis-moi, c'est tout! À 70 piges, je décide enfin de baiser! La good story! J'exige un peu d'explication. Attends, j'exige un peu plus d'explication que ça. En général, tu sais, cesse de poser des questions et fais ce que je te dis, allez, crash! Voilà, la relation dans un sens. Cours! Tout un fil entre les sapins alors que Rat peine à avancer sans tomber. Hop, attends, je suis magicien! Tu vas trop vite! J'ai un cardiaque trop vite pour moi, c'est pas croyable! Tu pourrais pas, Matt? Et là, elle est nue. Oh, c'est la bibliothèque, 100%. Oh, c'est magnifique. Un coucher de soleil, tu aimes? C'est toujours un spectacle très éphémère. Alors, hein, voilà. Pouf. Bon, ça, alors, c'est... Tu m'as roulé, hein, j'ai vraiment cru. Alors, c'est juste un wizard. Tu vois bien que le temps pressait, hein. Si on n'avait pas couru comme ça, tu l'aurais raté. Oh, oui, c'est vrai. Est-ce que je vais dire ce que je pense de lui? Alors tu flânais pendant que je me coltinais la cuisine, hein? Classique. N'empêche que je... c'est une question qui... Quoi? Ce n'est pas une simple leçon d'astronomie au moins. Ne commence pas à parler d'orbite et de parallaxe, tu veux bien? Ni de paix, ni des biais du romantisme, juste merci. Personnage est solitaire, moi je sais pas s'il arrivera à baiser.
Bah, il reste quand même longtemps devant le coucher de soleil. Hein. Ouais, il fait nuit, mais on reste là. Scouta. Pendant ce temps, Simulek. Avec les jeunes. Oh, ça va, les jeunes. Attends. Oh, ouais. Oh, attends. Oh, restez amis, la tristesse. Il commence à faire froid. Hein. Désolé, rentrons. Oui, oui, il fait froid. Embrasse-moi. Si on trouve ça bizarre demain, on fera comme si rien ne s'était passé. Oh, c'est magnifique avec la good story de fou. Oh, ouais, les étoiles. Je ne pourrais jamais faire ça. Moi non plus, qui pourrait. Et là, il y a Simulek. Peut-être Kenter. Quand on va baiser Kenter. Pardon. Ah, je suis trollé. Bon, oh, ça se rapproche. Si tu ne m'embrasses pas tout de suite, je risque de mal interpréter les choses. Oh, oh wow. À 50 piges, on est là avant la retraite. Rate et Scooter avant ta une relation amoureuse, let's go. Incroyable. Attends, mais du coup, je vais voir. Ouais, moi aussi. Qu'est-ce que ça change avant? Il faut toujours que je clique sur ma personne. Relation. Ah, mais j'ai que 40 de mots en fait. J'ai plus de relations avec toi alors que je suis amante avec Scooter. Incroyable. Attends, j'ai quel âge du coup? T'as 53 ans, je crois. 54 ans. Et Scuta, elle a... Je suis allé avec tout le monde. Elle est plus vieille que moi. Et I love fake milf, hein. Je vous l'ai toujours dit. Attends, et Igasa, elle a quel âge? Igasa, elle doit avoir 40, elle a 40, je crois. 40, 49 ans, ouais. Et elle part avant nous à la retraite, bah putain. Ah bah, elle a le même âge que Simulek. Ouais, incroyable. Et c'est le destin. Bah non, elle a un enfant déjà. Ah oui, c'est vrai. Bah c'est peut-être toi, mais du coup, c'est... Tout ce qu'on avait à faire, en fait, c'était ça. Y a pas de combat. Ah bon, ça me va, hein, moi aussi j'ai baisé, bah du coup, aussi, construire hein, pour les ressources. Non, avant de partir, attends. Go construire. Construire. Attends. Je vais choisir. Rondin et dépôt, bah les deux, hein. Attends, non. Audacity, ah, c'est dire rondin et fibre magique. En vrai, peau, on a toujours besoin de peau. Hein. Ouais, c'est où? C'est à gauche. Ah oui. Bah c'est parti, les autres construisent les défenses. Les défenses. Hein. Oh là là, je suis en couple. Ah, du coup, on fait le truc à côté. Ouais, go. Hein. Ah, du coup, on pourrait les utiliser pour construire même des bâtiments ouais, en plus. Ouais, hein, hein. Ils se chargent de la construction. Hein. C'est dans le scorpion. Alors attends, avant de voir niveau 6, la grotte en vrai, ça va. Ouais. Les petits jeunes en arrière, là. Par contre, en vrai, si on meurt tous en affrontant les gros, ça va être dur après pour le prochain chapitre avec que des level 1. Hein. Ouais, ça va être impossible. La pluie est tombée quasiment tout l'automne. Les terres gorgées d'eau dégagent une odeur de mort. Des collines ensombrées, des cadavres de rats flottent dans les champs. Les habitants prennent le chemin des montagnes. Si on croit la carte d'Arnon, on y est presque. Si on croit la carte d'Arnon, on y est presque. Tout le monde est paré. C'est l'heure de... Oula. C'est l'heure de vérité. On va savoir si on a fait preuve de naïveté ou non. Parce qu'il y a le petit bonhomme en fantôme, j'ai eu peur. Ouais, je suis en train de voir, là, c'est quoi? En fait, il y a que toi qui va parler. Moi, je joue que Simulek, là. Quelqu'un a dit un jour, défaire un nœud coulant, c'est se faire un ami dangereux. Oui. Mon amour, si le clan d'Arnon est aussi désespéré que nous. Le monde approche de son point de rupture. La première occasion pourrait être aussi la dernière. Ah bah oui, il protège l'entrée. Oh, mais est-ce qu'il y a un monde souterrain? Il y a deux gorgones. Oh, il y en a trois à ton laveur. Oh, MG, on est mort. On a perdu. Bon, faut la jouer fort là, faut bien la jouer. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire là? Ouais, c'est lui est déjà mort. Voilà, j'ai fait mon tour, à toi. J'ai la chef. Alors attends. Ouais, parce que Kenter il peut pas. En fait, j'aimerais bien m'avancer pour essayer de le taper au corps à corps, mais c'est dangereux quoi. Après, tu peux jouer hein, Junon, Bergeron. Non, je te laisse, mec. Putain, fais chier, je vais devoir tout jouer là, tout en pression. Non, mais moi je suis en stratège militaire, mec. Ah, lui il est déjà mort en vrai. Hein. T'as même pas besoin de le taper, il a empoisonné le. Ah, ok, bon bah. Je vais juste en interfusion un peu tout. Et Kenter, lui, il va passer en pas feutré. Et quant à lui. Il a pas beaucoup d'armure, Simulek en fait. Hein. Ouais, bah c'est un archer. Hein. Ah, mais Kenter a plus de. Voilà, voilà. Bah, après, de toute façon, je crois pas qu'ils vont me dire. Ah, si, ils viennent vers nous, parfait. Ah non, bah, ils savent pas où on est en fait. Ouais, faut faire gaffe, puisque lui, il crache. Il les a alertés, hein. Ouais, on va laisser venir en goulot d'étranglement sur nous, ouais, t'as raison. Après, lui, il peut nous cracher dessus, hein.
Enfin, il peut nous agripper avec sa langue. Ouais, mais on est quand même assez loin en vrai. Hein. Ouais, je te fais confiance. Mauvaise idée, vraiment très mauvaise idée. Hein. Oh, Junon qui va dead. Pourquoi il a une dégaine de Spartiate lui? Parce que c'est un guerrier. Waouh! Moi je n'aurais dû garder Igessa là, parce qu'elle était quand même était un gros DPS aussi, hein, Igessa. Ouais, mais en fait, je sais pas pourquoi d'ailleurs tu l'as pas pris là. C'était pour avant, que c'était pour quand on baisait que je l'avais dit, l'amène pas. Ouais, mais parce qu'elle elle travaille à la défense. Ah, ok, d'accord. Bon, on aurait pu lui dire arrête et rejoins-nous. Oui, c'est vrai. Après, bon, on entraîne un peu Junon. Hein. C'est vrai, c'est vrai. Parce que bon, il va la remplacer, hein, c'est quand même son ouais, futur. Grosse responsabilité sur les épaules. Hein. Ok. Oh, les grenouilles, c'est vraiment les plus chiants. Grenouilles. Non, non. Parce qu'il y a quand même beaucoup de ratons laveurs hein, et ça peut être énervé. Aussi. Mais les grenouilles, parce qu'elles sont archi tanky, ils explosent du sang et. Paf. Ouais, c'est ça que j'aime pas. Ouais. Ah, ouais, c'est chaud là. Bah, je vais pouvoir lancer une flaque de poison là, ça va tous les empoisonner. Oh là 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 là. Oh la gorgone. Je crois que c'est mort là. Non, parce que attends, je vais voir qu'est-ce que je touche avec ça. Je peux en one shot 1. Ah bah vas-y. Voilà. Tellement t'as fait fort qu'il a reculé. Mais c'est le pouvoir de. Je peux one shot l'autre. Let's go. Après, c'est ça le problème, c'est quand ils. C'est vraiment eux en fait le problème. Ah mais si on reste ici en vrai. Ah ouais, mais les ratons laveurs ils attaquent à distance. En fait, si on se camoufle là, ils sont obligés de venir vers nous parce que tu sais, en fait, je crois qu'ils peuvent tirer qu'en diagonale. Donc si on n'est pas dans leur diagonale, on est bon. Hein. Bon, ta théorie est de la connerie, hein. Je suis pas sûr qu'ils peuvent tirer qu'en diagonale. Moi, je suis presque sûr. Hein. Ah, la gorgone aussi, il faut s'en méfier. Hein. Ouais, le problème, c'est qu'il faut qu'ils se rapprochent parce que ma magie touche pas d'ici. Alors, c'est vraiment un layout compliqué. Genre, soit on la joue hyper, hyper défensif et ça passe, sinon c'est mort. Hein. Bah, le problème c'est qu'il y a des personnages qui s'en sortent mieux en défense que d'autres, quoi. Mmh. Junon, il a même pas tant de défense que ça et tout, hein. Ah non, c'est un jeune. Il a 19 ans, je crois, en plus. Mmh. 22, il a notre âge. Ouais, là, Kenter, il peut rien faire, là. Kenter peut littéralement rien faire, hein. je vais le placer là. Tu peux pas lui changer d'arme, il a pas une arme à distance. Il a une arme à distance, mais bon, je fais pas des masses de dégâts, quoi. Ah, bah, je peux presque tuer le raton laveur. Il est entravé en plus. T'aurais peut-être dû entraver le. Tu vois, ils sont en diagonale pour tirer. Ah bah. Ok, Junon. Bah, c'est pas grave, c'est Junon. Ouais. Ok. Ouais, si, il tire qu'en diagonale, j'en étais sûr. Attends, je vais voir si je peux le one-shot avec elle. Je peux pas le one-shot en tout cas avec. Scooter. Je peux lui faire pas mal de dégâts, moi. Je peux le tuer du coup avec ça. Vas-y. Voilà. Normalement avec Kentor je peux réussir à le tir pour tuer l'autre raton laveur. Toute la corruption. Okay. Oh mais ça les ratons laveurs sont tous couchés en fait, ça va. Ouais c'est juste qu'ils font beaucoup de dégâts quoi. Bah avec moi mon personnage il sert à rien avec la magie, ils sont trop loin, je peux rien affuser. Hein. Attends je vais tenter. Moi c'est vraiment toute la corruption et les personnages qui me bloquent là, c'est impossible. Est-ce que je peux ça? Est-ce que par hasard je peux. C'était oh oui, Charles, les deux sont morts. Explosion, let's go. Hop là. Oh, les dégâts de zinz. Allez, ça dégage. Il reste plus qu'une gorgone, bah c'est faisable. Ouais. J'ai jamais douté. Vigilance. Oh, salope. Ah, y'a bon. Plus de corruption, let's go. Rapproche-toi au moins. Okay. Oh, malinx, le lynx. Alors, Kenter, lui, va passer en pas feutré. Regarde les deux camouflés là. Comme Simulac. Caca. L'homme mi-corbeau, mi-fig, mi-raisin. Je me demande si je peux être transfo full corbeau. Paf. Dire que non, on va finir le chapitre en fait là quasiment. Ah non, il y a toujours un combat de boss. Non, parce qu'à mon avis, il faut rentrer dedans. Hein. Ouais, mais on va essayer de farmer un peu ce qu'il y a autour. Ouais, ça c'est sûr, parce que vraiment, c'est chaud sinon. Alors, est-ce que ça, je peux l'utiliser pour taper? Non. Non, je peux pas le toucher avec mon magicien, malheureusement. Mais comment ça, Igessa décide de partir à la retraite Mais j'avoue, elle fait quoi? Les sorceleurs ne meurent pas dans leur voilà, vie. Voilà, hein. Tu meurs au travail, hein Oh, il est mort. Il est mort, PTDR. Bah, je n'aurais pas mutilé. Ah, mutilation. Hein. C'est pour tous les guerriers, ça. Ah, il en faut plus pour se débarrasser de Junon, de merde, je contre. Tu te trolles et se fout de ta gueule. Par contre, oh, fils de pute.
Ça t'apprendra, sale chien. Qui c'est qui est mobilisé? Oh, de toute façon. Let's go. 6 blocs. Oh, scooter monte de niveau 5. Ouah, c'est bon, elle est trop strong. Bientôt la retraite aussi, je pensais là. Ouais, bah nous aussi, hein. Alors, oh, chance de crit. C'est pour moi. C'est pour toi, évidemment. Alors. Danse martiale. Frappe étendue, ouais, ça on connaît. Danse martiale. Les attaques au corps à corps ne coûtent plus qu'une action. Oh, oui, tous les jours, danse martiale, d'accord. Ah, oh, oui. Oh, mais c'est ça, toi, bébé. Ah, tu n'es pas blessé, j'espère. Arnon émerge soudainement des ombres humides et se tient devant l'entrée d'une galerie aux parois couvertes de racines. Bien, vous êtes là. Vous pensiez qu'on allait y rester? Suivant le vieux profondiste, le groupe s'enfonce dans l'obscurité. Mais qu'est-ce qu'il fait encore là, lui? Il est rentré malade et mourant. Les murs de terre brute sont noirs et ruisselants. Des filets d'eau s'écoulent de part et d'autre d'un chemin de gravier aménagé sommairement. Des mottes de terre se détachent du plafond. Des poudres de soutènement. Ok. On était passé à la hâte. Évitez les tunnels de traverse. Ils s'effondrent les uns après les autres. Ouais, parce qu'il y a de l'eau partout. Ah mais ils vont galérer en fait, vu qu'ils sont sous terre. Plus loin, les murs de terre laissent place au granit. Le dédale se décompose. Le ruissellement suit des canaux creusés dans la galerie principale pour détourner l'eau vers quelques cul-de-sac. Quand allez-vous abandonner cet endroit? Tu l'as lu ou pas? Mais j'ai lu, tu m'as pas entendu? Ah non? Si, si, je t'assure que j'ai lu. Le profondiste ou... Ah, mais il vient d'apparaître, là. Là, tu t'as cliqué, il vient d'apparaître. Oh non, jamais, vous voulez prendre le petit déjeuner? Mais il est tout bizarre, lui. J'avoue, c'est le milieu de l'après-midi. Ah, mais nous ne sommes pas tributaires du cycle solaire, hein. Nous prenons le petit déjeuner quand ça nous chante, hein. POV, c'est moi. La meilleure découverte. Arnon vous guide jusqu'à un passage marqué d'un symbole. Une odeur étrange les accueille. Qu'est-ce qu'il fout là, putain? De l'autre côté, ça se trouve, il sera pas mutilé. De l'autre côté, un tas de caca. Ils sont là, chérie, le blaireau et le mystique. Sympa. Oh, okay. Et d'autres wow. Qui devraient arriver. Pourquoi j'imagine une grosse créature de l'enfer dégueulasse? Mais c'est sûr, sa femme, c'est une gorgone. Vas-y, fais-la. Blé, tu leur rends faire du grume. Évidemment, mais c'est toujours pareil. Personne ne veut de ton vieux grume tiède qui colle aux dents. Drôle de maison, hein. C'est comme ça que tu... C'est comme ça que... Attends, quoi? C'est comme ça que tu appelles ça, toi? Ok. Bonjour. Bonjour, visiteur. Elle, c'est juste une ivrogne qui me colle au basque. Oui, je m'appelle Velda. C'est Velda. On dit que je suis dans le fond d'une caldeira asséchée, enfant des esprits du ciel et de la pierre. On dit souvent, en effet, mais c'est totalement faux. Et oui, techniquement, c'est faux. Vous êtes mariés tous les deux? Plus ou moins, oui. C'est pas si mal quand les temps sont durs. Putain, le couple horrible. On peut arrêter de faire comme si on était en train de pique-niquer entre amis, s'il te plaît. Gars, les rogues en arrière-plan, là, vraiment. Les rogues avec des ailes. Les mystiques commencent à s'impatienter. Vous êtes là parce que vous devez vaincre les gorgones, n'est-ce pas? On nous a dit que vous connaissiez un moyen. Y'a encore un truc. Allô? Qui s'est pas affiché pour moi, c'est ça? Ah non, c'est juste un tour de coude. Je sais ce qu'on fait les gorgones, leur chef, je connais leur nom, Ulfric. J'ai pas le dialogue. Ah, bah voilà, je te l'ai lu. Va y avoir un petit décalage, je pense. Ouais, bah, attends, je fais suivant, pire. Ulfric, voilà. Ah, j'ai quitté. Ah. Échec de la connexion, time out. Peut-être dire. Regarde, tu peux rejoindre. Je peux pas cliquer sur jouer. Attends, hôte introuvable, déconnexion. Se déconnecter, le Big Swagger. Je rends vite. Jouer, multijoueur, rejoindre une autre partie. Y'a plus le Big Swagger. Ouais, réinvite-moi par Steam. J'ai invité déjà. J'ai pas reçu l'invite. Oh non. J'ai pas reçu. Je peux pas sauvegarder. Bon, attends, je te pire, j'ai le dialogue et Attends, non, on va trouver un moyen. Ah bah oui, mais quoi? Invité à regarder, remote play, non. Mais Attends, pire, je quitte le jeu et je relance. Vas-y. Mais si tu quittes le jeu, genre, ça baisse ton dialogue ou Bah ça recommence tout le dialogue. Après, enfin, je sais pas, ça recommence où.
qu'on fasse le combat et qu'on galère, quoi. C'est peut-être Taco qui a pas suivi, hein. Non, non, là, c'est déco de spi, elle est revenue. Ouais, c'est peut-être ça. Après, un peu radical de la part du jeu de t'exclure. Mmh. Ok, re-envoie-moi une invite. Je t'ai invité, là. Non, en fait, je reçois aucune invite, hein, je pense... Non, mais sur Steam, moi je suis toujours connecté, il n'y a rien qui ne va pas. Est-ce que tu vois les messages que je t'envoie là? Oui, 4 messages non lus. J'arrive pas à les lire parce que je sais pas comment accéder à la bulle de dialogue, mais. Pourquoi je peux pas te rejoindre? C'est chiant là, le jeu de merde là. Oh, ah oui. Attends, est-ce que tu peux pas me donner ta connexion? Enfin, genre tu sais, le nom de. Le. Comment dire, le port. Port du truc, non? Oui, mais c'est où? Je sais pas, peut-être, il y a peut-être un truc dans tes options, un truc. Non. Attends, cette partie. Genre, tu m'envoies en photo personnel. Parce que j'arriverai pas. Ah, on peut faire un ordre de tour en fait aussi. Ah, sinon, okay. Y a rien. Y'a rien? Les cheats ne sont pas activés. Commande, interface, verifie mon compte. Email, compte. Mais comment ça se fait que t'es de mettre Chimichangas? C'est... Bah en fait, il faut le nom du serveur, l'hôte et le port. Ok. Au pire, je te dis le dialogue, on save, on revient. Ouais. Donc, bah ça, je te dis déjà. Arnon est plongé dans un bol de bouillie brunâtre, on dirait un gruau aux champignons avec une sorte de. Après, si c'est la fin du chapitre, en vrai, c'est chiant si je l'ai pas, en vrai. Au pire, on recommence, hein. Vas-y. Toujours à râler, là. Toujours à aller. Ah, c'est chiant quand même de pas jouer au jeu en fait. Ça m'aurait étonné que ce soit la fin du chapitre qu'il y ait un combat de boss. Impatient. Ah, et là je reçois l'invitation à jouer. Si on doit faire le combat, tu me dois 400 euros. Oui. Sinon... Alors que monsieur a déco sa connexion, c'est pas de ma faute. Hein. Bon, c'est pas ma faute non plus. Hein. Si, c'est la faute de ton téléphone. Il faut y aller. Après, ils ont bien fait la musique. Ah, voilà, tu me dois 400 euros. Ah, ça, c'est contre la Gorgone seule. Que j'avais tué en un coup la dernière fois. Ah bah ça va alors. Faut juste que tu te bagarres. Vas-y, je vais me bagarrer là. Petit caillou là. Oh, le combat fait dur. Waouh, mais j'ai plus de robot. Oh mais... Oh, si on n'a pas le même truc, c'est triste. Scooter. Oh non. Ah, c'est pas la même chose qu'avant. On devait s'y attendre. Bah autant la donner à Junon du coup. Ouais. Qui a un bras en moins du coup. Rage de ça, ça a l'air bien. Zack, corps à corps à distance. Oh, c'est broken. Ok, barrage de sang. Le berserker. Je sens bientôt la retraite. Mm. Ça, on skip vu qu'on a tout lu. Oui, en même temps que le narrateur, voilà, je te laisse appuyer. Ça, c'est toujours la même. Ah ouais, c'est quand il s'engueule avec sa femme là. Encore. C'est beau jour. Ah, c'est bon, ça c'est le mariage. Je crois, ah, que, c'était... Je crois que c'était là. Ouais, je crois que c'était là, ouais. Ah non, il peut juste s'acheter lui du coup. Ulstricht. Ouais, c'est bon. Ulstricht. C'est un nom que nous connaissons trop bien, malheureusement. Sprunch. Oui, Ulstricht, il a rassemblé ses congénères en nombre. Et ils se sont rendus dans la vallée de la chimère divine, Moatona. Et oh là, on va où là? Je sais pas, hein. Là, ils ont changé l'ineffable déité. En statue d'état. Ouah, le tout fixe. Sous les cornes massives qui recouvrent son visage, Velda glisse un renard au groupe. Quoi? Un regard, pardon. Pouf. Un renard au groupe. Ok, Renaud. Une grimace renfrognée déforme ses traits déjà profondément marqués. Arnon finit son repas, puis tire sur sa barbe et l'essuie sur son châle. Ouais. Qui ça? Moatona. Moatona est une divinité ancienne, garante de l'équilibre.
L'équilibre immuable de Moatona maintient l'harmonie entre les terres, entre les forces opposées de ce monde et non les terres. Et maintenant que Moatona est morte, le temps est complètement détraqué. Et les océans et les montagnes. Tout sera réduit à une grande soupe de gorgones bleues. Et vous les oignons. Nous serons les carottes et les haricots. C'est donc pour ça que le Strix avait besoin d'une armée pour tuer une déesse. Et alors à quoi sert cette lance? On a suivi 100 héros pour l'obtenir. C'est vrai, on a failli tous mourir, hein. Ouais, mais du coup, d'ailleurs, je suis en train d'y penser, mais en fait, simuler qu'il ira à la retraite dans 10 000 ans. Vu qu'il a plus 10 d'âge de retraite tout le temps, quasiment. Ah ouais, oh putain, dinguerie, hein. Je pensais toi qui parles. Je pensais que c'était le symbole dont il avait besoin pour embrigader les gorgones dans sa croisade. Le problème, c'est que le personnage qui a cette lance, bah, il part à la retraite bientôt. L'important, c'est que Moatona ne peut pas mourir. Elle est pétrifiée. Si je vous fais venir ici, c'est parce que j'ai concocté un breuvage aux propriétés curatives exceptionnelles, distillé à partir de racines d'une plante disparue. La fleur de mâche-bœuf. J'ai appelé ça. De la racine. Mon personnage, il est blasé et tout le monde est en mode. Ouais. Un remède? Ma racinette devrait rendre sa forme originelle à la grande Moatona si vous parvenez jusqu'à elle. Velda, ma déesse des potions. Oui, sire. Eh bien, si tout ça est vrai, pourquoi nous, vous n'avez pas d'autres laquais? Le cœur du problème, c'est que nous avons peur. Notre peuple est devenu trop fragile. L'eau est le pire des fléaux. On n'aime pas les douches. Le chef des Gorgones est puissant et résolu, ses hordes le sont tout autant. Nous le sommes trop vieux, trop lents, j'ai peur de mourir. Tes gorgones ne nous laisseront pas faire, n'est-ce pas? No shit. Est-ce qu'on sait où on doit aller? Et est-ce qu'on a la certitude de ressusciter cette chimère divine? Que ressusciter cette chimère divine permettra de sauver le monde? Le blaireau commence à poser beaucoup de questions. J'accepte d'y répondre. Parlons en déjeunant, j'ai encore faim. C'est sali chaud. On peut plus. Velda tient parole et tandis qu'Arnon sert des bols de grume et trace une carte sommaire, l'instructrice à la crème. Le repas est étonnamment bon. Ouais. Mettant fin à la discussion, Velda se sépare de son breuvage curatif conservé dans une bouteille en terre cuite scellée. Le groupe se remet alors en route. Dans leur bagage reposent tous les espoirs de cette terre et des créatures qui y vivent, dans une bouteille bien fragile. À la fin de ce chapitre, tout le monde part à la retraite. Mais c'est terrible. Okay. Faut se l'annuler, mais bon, c'est les crapauds. Alors, on doit aller tellement loin. Tranquille. C'est où? C'est tout en haut à gauche. Oh, c'est pas si loin que ça, en vrai. Eh, mais du coup, ce serait la fin de la campagne, si ça affrontait Ulstrix. Moi, j'ai pas l'impression. Hein. Du coup, sécuriser. Hein. Ouais, hein. On sécurise, on passe par là. Ouais, on fait tout le tour. Là, on a tout le temps du monde. Hein. Bon, dans tout ce sinon, qui va rentrer à la maison, de toute façon, parce qu'il est en train de me retrouver un objet. Bon, trois objets, évidemment. Qui c'est d'autre? On va mettre ça du coup. Ouais, t'as raison. Tant le temps qu'elle fasse le chemin, ça sera déjà fini. Y'a l'autre qui va au village, j'ai mal. Ok, et qu'est-ce qu'on a gagné du coup? Lingot et ok. Et esquive 5. Oh, ça serait bien ça pour. Bah, moi je suis magicien donc je t'avouerais que esquive ça serait pas mal, mais. Toi, t'es où? Ok. Ah, toi t'as déjà ta bague donc ouais, je vais le prendre. Ouais. T'aurais pu le donner à Scooter en vrai. Tu veux dire celle qui part à la retraite? Ouais, bah, fin de ce chapitre. à 4 ou on attend encore? Ouais, il gasse ça. Hein. Ouais, hein. Et... Ah, les autres, ils ont fini de. Ah, bah, non, ils ont qu'ils aient construit des trucs en vrai. Bah. Ils ont pas encore fini. De quoi? Voilà, là, ils ont fini. Ah, ok. Qu'est-ce qu'ils pourraient les faire? Je pense qu'en vrai, on peut les envoyer à Hôtel Primordial de Brisbane. On leur fait construire un truc, et vu que c'est à côté de l'endroit où on doit aller jusqu'à la fin. Vas-y. Et nous, nous, on est déjà en train là. Ok, c'est niveau 6. Combien? Oh. C'est faisable. Oui, c'est faisable, mais ça commence à faire beaucoup. Mais on est 5, on est trop fort. Regarde, c'est la grosse équipe, c'est l'équipe d'antan, c'était la plus forte. C'est vrai en plus. Que des anciens. Ah, mais... Et dans 32 jours d'ailleurs, c'est la cata. Hein. J'existe plus, hein, Simula qu'il ne parle plus. Quand la lune est absente, les étoiles semblent plus heureuses. Putain, ça va rebaiser là, je vais rebaiser quelqu'un sous les étoiles. Un peu comme une taverne dès que tu la quittes, alcoolique. Igasa, chut. Oh. Il n'est pas au courant. Quoi? La relation Igasa-Kenter? Incroyable.
Bref, c'est un bon présage, elle veille sur nous. Ah, c'est donc de là que vient l'enfant, mais oui. Ah oui, un présage de quoi au juste? Je serais bien incapable de le dire. Je pense que tout ce qui importe, c'est d'écouter. Je vais écouter les étoiles. Embrasser le silence pour laisser entrer la voix de l'existence. Perso, il est complètement détraqué. Je vais te dire, ça explique le bon... ça explique bon nombre de tes décisions. Détesté, c'est vrai. Oh, c'est vrai qu'on se déteste. C'est qui vous êtes rivaux. Waouh. Eh, on aura un bonus parce qu'on a le droit de faire un vœu. Bah, que vous trois. Alors, attends. Ouais, alors, les choix, les pourcentages sont très très bas chez moi. Hein. C'est ouais. 20, 20, 11 et 25. Hein. Ah, moi, c'est 21, 10 et 25. Alors, ça me rappelle, est-ce que je me souviens encore de cette histoire? Bah, en vrai, bon, même si Kenter, c'est le plus grand enculé, il a plus de chance. Hein. J'arrive presque à douter. Est-ce qu'il verrait des choses qui m'échappent? Bah, ce serait pour ta relation ratée. Toi, hein. En vrai, bon, ouais, pas oui, se fier au pourcentage de réussite. Ouais, de réussite, go faire moi du coup. Non! Ah! Après, on devrait faire toi. Rat observe donc moins les étoiles, mais ne parvient pas à discerner le moindre signe parmi les constellations. Il ne connaît aucun nom, ne reconnaît aucun astre auquel adresser un souhait. Les étoiles sont comme les gens des collines, elles parlent un langage incompréhensible. C'est raciste. Nous cherchons inlassablement, nous errons en quête de sens de compréhension, mais la vérité est souvent aussi difficile à voir que des plus faibles lueurs grises du cosmos. Bah merci à toi. Ouais, écoute, désolé. Oh, ils sont directs. Oh, l'esprit du feu. Bah, grand respect à lui, hein. Ah putain, alors là, je veux bien le récupérer, mais il va être dur, hein. Ah, attends, Scouta. Attends, bouge pas. Je bouge pas. Oh. La belle parade. Bah, je vais m'approcher. Je tourne un coup, petit MDR. MDR. Bah, du coup, je vais essayer de m'approcher vers l'esprit du feu, en vrai, hein. Vas-y. Bah, vu que c'est des Turks. Alors. Masse de feu de rang 2, lance de feu de rang 1, point d'héritage. Bah, il y en a une qui est de rang 2. Masse hein. De feu. Hé hey. Bon, alors. Bon. Remplacer martelet. Mais je peux pas la mettre dans mon. Ça a l'air moins fort. Étourdissement en cas de coup critique. Au pire, mets remplacer martelet et peut-être que tu récupères. Hein, de quoi? Non, rien, vas-y. Ok. C'est. Alors, je fais moins de dégâts critiques, mais par contre, j'ai des chances d'étourdir. Hein. Ah non, justement, tu perds l'étourdissement. Ah bon? Oh bon, alors c'est nul, hein. Et là, c'est inflige des dégâts à 3 ennemis proches. Mais le recycler remplace Martegret, peut-être que Martegret, tu l'auras dans ton inventaire. D'accord. Pas sûr, parce que là, recycler pour ça, un lingot de fer, c'est gaze. Très bien, du coup, c'est... Ok, lui. Non, c'est... Pas feutré. Et moi, interfusion. Lance d'os. Bah, il mourra avec le poison grâce à ça. Ils sont nuls les tricks. Ouais. Bah, j'avais mis Sentinelle. Aïe. Bah, le jeu a refusé. Oh, ah. 92% de chance de réussite. Hein. Yes. Je le tue à l'arc ou. Bah du coup juste go se déplacer à la porte et on se bah place oui, plus que ça. Tranquillement hein. Je crois qu'il reste plus grand chose en plus hein. Vigilance. Hop là. Voilà, je te laisse te déplacer et j'ouvre la porte. La team Cook. Allez, ouvrons la porte. J'ai posé cash. Ok. Il y a que lui. Apparemment. On va le laisser venir. Hein. Ouais, ce qu'on va faire. Hein. Hop, interfusion. Le placard. Hop. Est-ce que je peux le toucher? Je peux pas le toucher d'ici. Très bien, c'est génial. J'adore la vie. Quant à lui, il est invisible. Ouais, je pourrais pas m'approcher pour lui faire des dégâts, donc... Juste hop. Changement d'arme. Attends. Ah bonjour vous. J'avais oublié. Ah bonjour vous. Aussi. Quoi? Salaud. Salaud. Ah. C'est cringe. T'as un truc qui est encore interfusé en bas. Mais ils attaquent à distance, donc go se déplacer en vrai pour eux. Là, plus d'interfusion mon pote.
Voilà. Après, je peux le tuer avec Scooter. Hein. Si tu le tues pas. Hein. Je le tue pas. Bah. Ah, attends. J'ai. Haha. Meurs. Putain, fils de chien. Bah, du coup, toi, allez. Bah, Kenter, il le tue. Hein. Frappe. Oh là là. Frère, c'est une honte. Bon, je vais juste me déplacer avec elle comme ça. Hein. Et provocation. Je provoque celui qui est devant. Il va ouvrir du poison. Donc en gros l'autre. Bah non, et poison ça fait que un dégât. Ah, ça fait que un dégât. Oui, parce que c'est que du poison 1. Et bah, et peur. J'ai une fiole. Et l'autre, je le provoque comme ça, il vient. Bah, il va venir. Ça se trouve, il attaquera juste à distance. Non, je veux dire. Voilà, hop. Prochain tour, il est mort, il aurait pas menti. Pied générique, paralysie. Plus 4 tours. Invulnérable. Très bien. Scooter. Bah, tu vas aller tuer l'autre. Hein. Oh, l'autre est mort aussi. Oh, c'est bon, c'est win. Hop, heure. Paf. Et voilà. Et voilà. Très très bien passé cette affaire. Et moi, du coup, hop. L'autre, il meurt de poison. Ouais. De poison en vrai. Pourquoi tu montes de niveau? OMG. Ah non, pas encore. Triste. Alors, qu'est-ce que c'est, dégâts bonus? Qui c'est qui part pas à la retraite? Bah, Simulek, hein. Simulek, qui a perdu son truc tout à l'heure. Croix. Oh, Simulek en premier plan, ça faisait longtemps. Croix. Eh, c'est peut-être toi, c'est peut-être des corbeaux. C'est des corbeaux, bah oui. Oh, moi, je dis croix. Bon appétit, les amis, le buffet vous attend là-bas, l'ami des charognards. Vous rendrez un gros service à l'ailleurs. Sachez quand même de ne pas attraper de maladie. Je suis vraiment même ami avec les animaux. Nature ne se limite pas aux jolies fleurs au coucher de soleil, je suppose. Incroyable. Only good d'interaction okay, avec. Ok, il y a ça. Bon, ça c'est nul. Alors attends, est-ce que je peux changer du coup mes armes? Hop. Ouais. Attribut équipement. Ah non, hein, c'est définitif, je crois. Attends, changer d'arme. Changer d'arme, ouais. Non, ah non, c'est juste pour changer de main. Ouais, bon, décevant, bah j'ai perdu une super arme. Bon, c'est pas grave. En vrai, elle est pas non plus gaz l'arme que ça. Ouais, non, elle est bonne, c'est vrai. Qu'est-ce qu'on a. Ah bah, on avait pas je sécurisé. Aussi. Où est-ce qu'on peut voir. L'âge de la retraite, c'est à quel. Ok, super, je me fais. Non, oui, non, mais j'ai pas. C'était... J'avais pas lancé, je voulais voir si c'était ah, vraiment. On trouve un objet du coup. Attends, ouais, les autres vont bosser. Ah, c'est en train de s'inonder en plus là-haut. Pour étoffe, cool. Vive la peau. Oh, chance de critique. Attends, est-ce que t'as déjà un truc toi ou... Non, j'ai rien, j'ai rien. Vas-y. Ah, la dégaine dans mon perso, il a vraiment tous les équipements qu'on peut prendre. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Attends, je vais juste regarder l'âge de la retraite si on peut le voir. Ouais, c'est dans attribut. Âge mûr avancé, ça on a compris. Histoire, combat, équipement, aspect, envie, pas mal. Mmh. Âme de corbeau. Ouais. Je pense qu'on doit voir quelque part, mais je sais pas où. Ouais. Après aussi, d'ailleurs, je me disais, mais en vrai, là on s'est marqué affronter Michel, mais si Michel c'est le méchant, bah du coup on s'en fout de l'âge de la retraite. S'il part à la retraite, on aura battu on aura fini l'histoire. Bah oui. Donc ça va s'il part à la retraite. Bah, ça se trouve, ce sera pas d'histoire, mais oui. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait? On continue d'explorer tout droit ou... Ouais, ouais, de toute façon les autres ils vont travailler donc. Allez, go. Oh, j'avais oublié ça. Oui, alors où est-ce qu'il. Et ça va sur le petit village. Ah bon, on aura le temps de le renforcer avec les golemons là-haut. Ouais. On a combien de temps avant l'attaque? Alors, hop. En plus, on a un guerrier parmi eux donc. Hop là. Bah allez-y. Non mais je crois qu'ils doivent d'abord finir leur trajet de là-haut. Ils cassent la tête. Bah attends, go, go les faire. Attends, bah, je remets. Et nous de toute façon, voilà. Ok. Donc vous, ah, okay. S'il vous, vous plaît. Allez là-haut. Et du coup, c'était combien de jours? C'était quelques jours, disons. Bah, après, ça va pas là, ça va là. Oui, ça, en fait, ça va là, mais ça passe par là, mais en fait, son but, c'est d'arriver là. Ah oui, si peut-être, oui.
Ou alors je me trompe, peut-être c'est moi qui me trompe, hein, mais... De toute façon, on aggrave le temps, non. Attends, incursion Gorgon... Ah non, si t'as raison, c'est Terre Branche, Perdrix. Oui, non, mais ça va arriver là. Après, ça va arriver là, t'as raison. Mm. Je crois que c'est des mobs qu'on a jamais vu, ça. J'ai jamais vu le logo, là. J'ai pas regardé. Oh, stimulé. Oh, le héros. Il pleut des cordes, il y a de la foudre, tu avais raison. Je sais pas de qui il parle. Ah, cet orage cet orage, c'est un orage, d'après lui, c'était prévisible, malheureusement. D'après qui? Je sais pas. L'accès à l'observatoire à des dînes, à des dins, passe par des routes abandonnées dont il ne reste que des pierres nues et balafrées, chargées de souvenirs. Les terres accidentées au-delà de cette gorge sont marécageuses, surtout en été. Elles s'enroulent autour de la sylve animale noyée, telle une couverture mouillée. On a cette petite grotte, au moins. Et quand encore sur la route, on dirait. La tête. Ah, Fouque, c'est curieux, elle n'était pas là la dernière fois. Elle est déjà passée par là. Je sais pas, apparemment, oui, mais je crois pas. Dans une violente rafale, la pluie s'abat sur le groupe. La pierre devient sombre, odorante et glissante. Tu sais que j'aimerais trop que si on passe à l'arc 2, le chapitre 2 et tout, que Simulek et tout, ils existent encore. Ah ouais, genre. Ou alors, même s'ils sont morts, tu sais, il y a genre une statue des contes qui sont faits et tout. Ouais. Pas question de laisser cette pluie abîmer mon équipement. Quel connard, vraiment, c'est vraiment le connard de notre équipe. Hein. Ça n'a pas l'air. Non, attendez, jusqu'où on s'enfonce cette caverne? Va tout seul, Shaggy. Ces parois semblent plutôt naturelles. C'est la pierre. Merci, Simulek. Alors que le groupe vient d'échapper au déluge. Crac. Oh non, ça va s'écrouler sur nous. Le monde tremble violemment et le bruit assourdissant de rochers qui s'effondrent couvre le bruit de l'orage. Ah, oh mon dieu. Bah, on pourra pas aider les villageois, ça sera les nouveaux qui vont devoir s'en occuper. Le groupe se... Bah non, de toute façon, ils ont encore le temps, 80 jours. Hein. Le groupe se retrouve piégé dans les ténèbres alors que la terre continue de gémir et de trembler. Le calme revient peu à peu, mais la poussière de pierre brisée leur pique les yeux et le nez. Ouah, commence par quel côté? Par le haut? Attends, je rêve ou Simulek, il y a vraiment de dire Simulek toujours là. Ouais, oui, bah, ici Simulek, okay, toujours là. Maintenant. Je suis là, Kenter. Rien de cassé, vous êtes toujours là. Ça aurait vraiment été une mort ridicule. Igas apparaît ici, je n'ai rien. Ok, il parle comme des agents secrets, c'est pour ça. Par chance, son lanterne est un jeune. Quelle lanterne? Quelle chance. Je sais pas, on a beaucoup de chance. Attends, on n'a plus qu'à explorer les lieux maintenant. Oh, t'as vu Simulek à tête qu'il faisait? Ouais, ces petits ont été travaillés... Attends, quoi? Ces pierres ont été travaillées, non? Je sais pas parler, je sais pas lire. C'est bon. Attends, j'arrive. Vas-y. Je suis là, mais... Ah, ok. Vraiment? Tu as raison, on a un carrefour ici. Il y a peut-être des triangles avec des escaliers. C'est plutôt un bon signe. C'est plutôt bon signe. Il y a un autre passage de ce côté. Je sens un courant d'air glacé. Je me demande quel trésor on va trouver ici. Quel connard, vraiment le greedy. Hein. Attention, quand on retourne à cette pierre, on finit toujours par tomber sur un serpent. Sarafort, Malflamme, a aussi dit qu'il valait mieux tomber sur un serpent de temps en temps que de vivre constamment dans la peur. Ouais. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? Dégager l'entrée, suivre le passage glacé, descendre les escaliers. Ouais, dégager l'entrée et partir, on s'en fout d'ici. Ça se trouve, il y a des trésors de baiser, hein. Ça se trouve, mais ça se trouve, il n'y aura rien. Après, le passage glacé... En fait, descendre les escaliers, c'est quoi? Genre, c'est pour aller plus profond, mais suivre le passage glacé... Bon, moi, en général, l'appel d'air, ça veut dire potentiellement une sortie. Parce que creuser, à tout moment, ça peut prendre beaucoup plus de temps que de passer par une nouvelle sortie. Mais après, c'est... Descendre les escaliers? Non, moi, j'aurais dit passage glacé. Mais après, c'est comme tu veux. Si vraiment, tu veux dégager l'entrée, et tu trouves que c'est plus safe, je te suis. Non, bah, j'aurai la priorité sur le prochain choix. Non, parce que je sais pas ce qui va arriver, donc je veux pas de ça. Bah moi non plus, ça se trouve ce sera un truc bien gage. Ok, on se met d'accord. Qu'est-ce qui est... Toi, tu partirais sur quoi, toi, là? Dégage de l'entrée et partir. On a 107 jours jusqu'à la noyée. Bon, allez, je pense qu'on peut se permettre de dégager l'entrée. Venez, on dégage l'entrée, on viendra ici une autre fois. Dommage, peut-être qu'on laisse un trésor derrière nous, enfin tant pis. Ah, tant pis. Au prix de gros efforts, les pierres commencent à se regarde comment il est pas content d'avoir laissé le loot. J'ai vu qu'un trait comment... Et je vois des minerais utiles au milieu des gravats. Ouvrez l'œil, ils pourraient nous servir. Ils sont tous là. Le groupe dégage les pierres et la terre. Rat crée des liens éphémères avec les plus gros blocs pour les stabiliser et faciliter l'évacuation. C'est vraiment feignant, quoi. Bah ouais, la magie. En même temps, chacun s'applique à récupérer le précieux minerai. Goat. C'est bon, l'orage s'est déplacé vers l'ouest. Encore aveuglé par la lumière du jour, le groupe se rassemble au-dessus des terres détrempées menant l'observatoire à des lignes.
C'est le moment où jamais de traverser, je crois, tant que le ciel est dégagé. Scuta voulait explorer un peu ces tunnels. Non, la nuit ne va pas tarder à tomber et cette accalmie ne durera pas non plus. On repassera ici plus tard. C'est vraiment inutile ce qu'on a fait. Et bien que le groupe ait eu l'intention de revenir, l'idée de devoir retraverser ces marécages pour explorer une grotte instable n'a finalement pas motivé. Imagine, on dit ce qu'il y a, il y a genre un dragon. Ouais, mais c'est sûr qu'il y avait un truc de ouf. Les saisons ont passé, les tempêtes se sont enchaînées et nul n'a plus jamais retrouvé ce carrefour souterrain. Yes. Trois lingots. Déception. Ah, on se fait quand même casser la gueule. Non, mais c'est quoi ça? Bien sûr que oui. Bon. Merde, hein. Ouh là là, Simulek. On va partir là. Je peux immobiliser quelqu'un. Je vais immobiliser celui qui est le plus proche. Hein. Hop là, il bougera pas, lui on est tranquille. Scuta, elle peut pas le toucher. Je peux le provoquer, l'autre tout loin pour le faire venir et peut-être avec un peu de chance il ne touchera pas. Rien. Non, non, vaut mieux qu'il passe vers près d'Igasa parce qu'Igasa a sentinelle. Très bien. Bah, déplacement. Ulek. Pour la question, non. Vigilance. J'ai oublié que même le nom de Simulek est stylé parce que c'est Galbestil. Fureur du prophète. Pourquoi il s'est heal? Parade. Ah, attends, est-ce que le Kenter peut le one shot aussi? Non, il peut pas le one shot. Lui peut le one shot. Très bien. Simulek aide. Skunta à la porte. J'ouvre direct ou. Oui, vas-y. Ça sert à des trucs nuls, ça. Des éveillés et des rocaillons. Oh, 2 PV les rocaillons. Hein. Ça a l'air d'être les mobs nuls, les souterrains. Ouais, mais en grand nombre. Ouais. Hop là. quant à moi. Hôtel, construction. Machine, champignon. Et Bulek calme style. Caluche le one shot. C'est d'un décevant. C'est terrible. Moi je peux lui faire peur à l'éveiller, hein. Comme ça les autres y viennent. Tu peux être vigilant. Pourquoi tu veux toujours utiliser toutes tes compétences? Mais parce qu'elles sont là. Ça sert à rien d'être vigilant quand je peux leur faire peur. Bah si, vigilant, ils arrivent, tu les one shot. Alors que faire peur, ça va faire l'inverse. Bah bon. Voilà, c'est sauf inutile. Quoi ça esquive. On faire peur, ça aurait fait l'inverse, mec. Alerte. Mais il bouge beaucoup, lui. Il se permet d'être quoi, là? Hop là. Faut faire gaffe, eux, parce qu'ils nous entravent s'ils sont en revers. C'est-à-dire? Bah, s'ils sont derrière nous, ils nous attaquent, quoi. Enfin, s'ils sont derrière nous, on est entravés. Ok. Donc je le fais. Voilà. La mort! J'y vais direct avec lui, hein. Je te fais dire. Ok, très bien. Oh, Kenter qui est toujours invisible. Kenter qui est on the rocks. Oui, passez, chers amis! Touk, touk, touk! Mes amis, les rocaillons. Hop, je bloque le passage. Oh, je tue même pas. Ouais, non, je suis nul. Pendant ce temps, on a une équipe de bâtisseurs là. Là. Tellement pressé de monter de niveau là. Ça, ils vont obligatoirement passer dans les pièges et puis paf. Ah, mais c'est une honte, ouais, monsieur, grave. Tire à distance. Lui par contre, paf. Oh, le one shot. Bon, l'autre, hein, c'est gagné aussi, il meurt. Hein. Je pense que je le tue à l'arc. Hein. Vas-y, hein. Ouais, si je le touche. Ça va, j'ai jamais raté alors que j'ai genre que des 87% de chance de toucher. Et t'as qu'un seul bravia pour ça. Ah, mais j'ai une arbalète. Mais justement, t'as qu'un seul bravia. Arbalète, t'es obligé de le faire à une main parce que ton autre main, elle marche pas avec ça.
Ouais, des attaques nulles. Alors, enfin, une action rapide. Attends. Sagesse, c'est incroyable. Sagesse, Rat reçoit un bonus pour toutes les tâches de la campagne en fonction de son âge, 100% de la vitesse de base. Oh, c'est pas mal. C'est quoi pour une fois partir d'un peu invoquer un esprit, ouais. Bon, allez, go faire sagesse. Oh, pour moi. Oh la vache, mémoire privée. Attends, regarde ce que ça fait. Moi. Ah non, ouais, non, je vais le donner à l'autre parce que moi ça me donne des malus en chance de critique et dégâts des sorts, donc je vais tu peux prendre avec Igun Boucle. Ah oui, c'est pour Igun Boucle. Oh la dégaine. Oh non. Oh pff, ça va, hein. Oui, on s'en fout un peu. Ouais. Alors qu'est-ce qu'on fait? On sécurise, on va directement aider. Ouais. Non, 3 objets. Ils arrivent dans au moins 160 jours. Très bien, très bien. Alors, qu'est-ce qu'on enlève? Ouais, les sœurs, ça a commencé à faire beaucoup. Le chaman, j'avoue qu'il me donne pas trop envie non plus. Ça fait quand même beaucoup de points d'héritage. Hein. On a combien de points d'héritage qui nous restent là? On en a 12, frère. Et mais là, on en a 8. Bon, bah ça va, c'est ok. Bon, même l'armure, en vrai, ça pourrait être chiant si on... Ouais, vas-y. Hein. Bah, dans ce cas-là, autant on retire un autre parce que 6. Ouais, bon, vas-y, c'est bien. C'est bien comme ça. Oh. Déjà qu'on a failli mourir tout à l'heure, en vrai. Bah go. On peut lancer ou... Oh, si la redéco c'est terrible. Pour le temps qu'il fait, je... Ok. Et là je bouge plus. J'adore la musique. Ce game here. L'étude minutieuse des mystères de l'observatoire à Dédain s'est montrée fructueuse. Non, c'est juste avancer pour récolter les ressources, c'est tout. Bien vu. Parfait. Ah, chance de critique, est-ce que... Ah, tu en as déjà une qui sait. Ah, je veux bien la remplacer. Ouais, mais dans ce cas-là, les autres pourront pas l'avoir. Ouais. Bah du coup, Kenter... Hein. À Cole, ça, hein. Ah non, Kenter. Ah oui, t'as raison, il a rien. C'est un rogue, avec ses ailes de papillon, là. Hop là. Bah là, du coup, on peut les aider. Là, du coup, on peut les aider, ouais. Ou alors, on peut déjà aller sur... Bah ouais, en vrai, on pourrait même... Ouais, nous, on va là, dans les terres branches Perdix, là. Attends, ils arriveront dans 70 jours. Et nous, on prépare les défenses en... 91 jours de voyage. Comment ça, 91 jours de voyage? Qu'est-ce que c'est que cette blague? Comment ça? Bah, nul à tâche, du coup, hein. Bah oui. Ah, je crois qu'on peut pas aller en ligne droite, on est obligé de faire le tour, non? Non, pas ce moment-là, mais vu que c'est inondé, je pense que ça prend beaucoup Ah oui, ça s'est dit, les cases inondées, ça prend plus de temps. C'est beaucoup plus long à déplacer les cases inondées, donc on va juste les aider. Hein. Allez, on mange Kuta Higasa. Et tu sais quoi, attends. Oh frère, regarde le giga détour qu'on va faire. Attends, Simulek et Rat. Terminé. Les 5 de Skuta, comme il s'appelle. Oh ouais, le détour ouais, de Zizi. En vrai, go, laissez déjà les 3 qui vont arriver bientôt là, parce que on arrivera peut-être pas à temps. En 3, hein. Mais nous, faut qu'on voyage aussi ici. Pourquoi il y en a 2 qui sont lents là, tout triste? Ah, parce qu'ils vont bâtir le mur. Ah, ok. Bon, déjà niveau 2 au moins. Non, ils vont pas rien faire. Je me demande ce qui va se passer quand ils vont prendre la glaisière. Oui, on va aller là. Oh, ça va être terrible. Hein. On va préparer des défenses aussi ici en vrai. Ouais. Ouais, non, en vrai, ça sert à rien. Bah, on peut préparer, ça coûte pas de ressources, hein, donc en vrai, go le faire. Ah, mais ça coûte du temps. On peut commencer une construction et l'annuler en plein coup. Hein. Oh, la glaisière, puissance 10 inondée, On va attendre qu'ils arrivent.
En vrai, c'est juste chiant s'ils arrivent, s'ils font tout le contour, genre ils vont pas là où on veut. C'est juste oui, ça qui est chiant. C'est ça. Après, effectivement, on pourrait aussi se dire RAF, on va jusqu'à la mission principale et on s'en bat les couilles. Ah oui, rien nous empêche de faire ça. Hein. De toute façon, là, Steve, là, j'ai pas de mytho, j'aurais plus le courage d'aller là-haut. Hein. Ouais, pareil. Hein. T'as, ils en mettent du temps hein, pour. Ouais, quand ils arrivent ici, je crois. Après, on pourrait. Ah oui, non, c'est bon, ils viennent vers nous. Dans 6 jours. Autant envoyer. Vu que les nouvelles recrues, elles vont pas se battre avec nous, autant les envoyer faire des murs. Ça, ça se trouve, si, hein. Ça se trouve, ils vont se battre. Hein. Ouais, attends, on va voir si on peut pas fabriquer avant de. Je vois si. Tiens, on a peut-être des ressources pour fabriquer des trucs. Ils étaient là, ils sont là dans. Mais non, mais faut aller les fabriquer dans les villages, ça. Bah, on est pas dans un village là. Je sais pas, je crois. Si, si, hein, Ponette en. Si, si. Mais ça va prendre du temps. Ah, ouais, t'as raison. Bon, bah, allez hop, on attend. Bah, ils sont là en fait. Ah, d'accord, ils sont. Oh putain, oui, ils sont tous là, ok, t'as raison. Oui. D'accord, c'est le multi-combat multiverse. Les gargotes sont là. Peulement rugissement et trépignement font trembler la terre et semblent presque bouillonner. Quelle stratégie de défense les défenseurs vont-ils choisir? On manque de bras, ça paraît évident, mais. Bon, alors, ça, par contre, on manque pas de sûr. Bras à ce stade. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Simuler. Oh, Simuler qui a l'air d'être très bon pour ça. Alors, charger l'ennemi, prendre l'initiative, toujours. Exploiter le terrain, saboter, rester caché. C'est moins. C'est comme ça quand bah, moi, j'ai 84% pour rester caché. En vrai, rester caché, ça peut être pas mal. Hein. Bah oui, c'est Simuler. Allez. Jupiter, j'ai pas fait gaffe. Le seul qui est pas caché groupe... hein, encore. Hein. Bien à couvert, le groupe parvient à échapper à la vigilance frustrée de l'ennemi, libre à lui de choisir le moment frappé. Patience. Patience. Après, on a les volets de flèche et tout, c'est fort. Ça, c'est extrêmement fort. Hein. Furtivité et ingéniosité. Ouais, okay. Un partout. Bah, en vrai, c'est pas des gros monstres, ça va. Oui, bah, c'est bah, des ah monstres. Non, attends, mais j'avais oublié qu'il y a des cases de genoux, peut-être, et ah, ils vont se faire invoquer. Alors, oh putain, on est beaucoup. Ouais, bah comme j'ai beaucoup plus de PNJ que toi, prends les randoms à jouer. Hein. Bah toi t'as beaucoup plus pas tant que ça. Hein. Parce que toi tu joues Rat, Junon, Kenneth Kuta et Kenter. Et moi je joue Igun, Igasa, Kolnasa et Simuler. On en joue autant l'un de l'autre. Hein. Ouais bah go jouer à chacun des randoms. Hein. Ouais, je prends Onehin. Vas-y moi je prends Onaber. Fermier de 47 ans. Alors, Kenter qui va se déplacer. Ah, je me demande ce qu'il y a dans la borne. Alors, nos guerriers. En fait, les guerriers, j'ai pas trop envie de les avancer non plus. Est-ce que je peux infuser? C'est un archer en plus, on est in aussi. Et il est où? Igun. Oh, Igun a l'air bien gaze. Ok, je peux le toucher, mais ça le tue pas, donc je vais attendre, je jouerai ça après. Terfusion. Ça, le saut. Après, je passe mon tour. Le faut de simuler avec mi-corbeau, mi-humain. Ça, c'est stylé. Je vais aller avec toi, mon nouveau frérot de la bataille. Ça, c'est pas moi, ça. Kenter, il va contourner un peu pour voir comment ça se passe. Fils d'Igasa. Le Bartot, s'il rentre dans notre zone en fait, de sécurité, on est doomed. Mais j'avoue, parce que là, j'ai avancé tout droit, il y a Sunper, frère. Ah, je viens de le voir à gauche. Oh, t'avais pas vu le Bartot? Non. Tire. Ah, je peux toucher le cervidé. Mais ça me rend visible avec Onaber. Non. Il me reste un HP. Ouais, après Onaber. Hein. Peut-être avec Oneflin, avec Onein, tu peux tuer le Cervidé du coup. On va te dire ça tout de suite. Non, je peux pas, parce qu'il a 0 points de déplacement. Yes. Avec Scuta, je vais aller plus vers la gauche du coup. Oh non, oh shit. Esquivando. Rip. Qui c'est qui reste Scuta? Vigilance. Il y avait un truc dans la grange, je crois. Oh, l'ours. Ok. Ah. Le tourbar. Ah, yes, je peux les attaquer avec mon mage, les deux. Hein. Les deux, mon mage, il peut leur faire mal. Hein. Oh, alors, c'est... Oh, il a cassé le décor, en fait.
Alors, avec mon mal... Ah, bah, par contre, est-ce que la volée de flèche, ça touche les deux? Si jamais... non, oui, la volée de flèche. Ça peut toucher les deux gros, hein, la volée de flèche. Hein. Vas-y, vas-y. Ouais. Feu! Hop là. Nice. Bon, le tourbar, il meurt. Ouais. Je me doute, je me doute. Le bruit de F, le BDF. Hop là, plus de cervidé peut-être. C'est bon. Je trouve que c'est stylé les petites incursions là, les trucs là. C'est quoi les incursions? Ça ça. Ouais, c'est quoi littéralement ce qu'on est en train de faire là. Ah oui, ok, d'accord, my bad. J'ai peur, ah regarde, il y a la jolie zone qui vient d'arriver en haut. Ouais, j'en ai vu une en haut à droite là, je suis en train de... Je vais essayer de setup avec Simulek. Attaque. Je suis terrifié par le boss là, vu déjà comment on a souffert quand on a récupéré la lance. On va mourir, hein, c'est sûr. Hein. Je pense si on meurt au boss final, s'il y a un truc spécial, en mode c'est la fin du monde. Ouais, ça serait dur. Hein. Ah, il y a aussi la genou. Oh, ok, derrière la ferme là. Ouais, c'est pour ça que je vais setup avec Simulek et Igu. Moi j'y vais avec Junon aussi. Ok, qui me reste à jouer moi? Elle. Oui, ça c'est très bien looté. Ça change pas. Je peux faire peur au gros, hein, au Baros, au Bartot. Bon, ça sert à rien. Bah, s'il s'approche et qu'il touche un truc, ça va faire mal, hein. Ouais, vas-y. Voilà, là on est bien. Je peux. Comme ça, il prendra pas de dégâts et vigilance. Et il te reste Micheline. Un peu de respect pour Colnasa, mec. Bon, je les appelle tout le monde Micheline. Même mon père. Oula. Oula. Kenter, son meilleur ami. Kenter en sueur. Oh, pas eux. Raton laveur, ok. Bon, Kenter, je vais jouer en premier pour voir s'il va mourir. Go Simulek. Hop là. Kenter caché. Oui, il est en travail l'ours en plus. Ok. Je joue One In moi. Qui a toujours pas donné un coup. Si, si, je l'ai fait tuer quelque chose avant. J'ai eu une boucle. Pourquoi je peux pas tirer? Action simple, mais fin au tour. Mais je peux pas, pourquoi je peux pas tirer? Ça boude. Je l'ai boude. C'est broken mage en vrai. Hein. Mulek, Rat et Scuta, les vétérans de guerre là. Ouais, de ouf, hein. C'est dire qu'Igasa, à la base, elle voulait pas rejoindre le groupe en plus. Ouais, je crois, elle était en mode random, je m'en bats les couilles. Hein. Wow. Skolnasa, on l'a juste trouvé dans la rue. L'ours, il est là, il chill. Oh, j'ai cru qu'il allait attaquer mon gars sûr là. Ouais. Oh, bah il était là. Ici. C'était en bas. Oh, mon setup ne servit à rien ici. Je peux tout et l'ours. A plus d'ours. Kenter qui tire. Une flèche sur les ratons laveurs là. Bah j'aurais. Ouais, vas-y. Tu l'as déjà fait. Tu vas respirer hein, par le Bartot. Hein. Mmh. Oh bah il est mort. Oh bah. Paf! Vengeance là... du cœur plus que. Et là il y a un autre truc qui arrive. Boss. Ah. Ouais, je m'en doutais qu'il y avait forcément un truc qui allait arriver. Mais d'où va-t-il venir? J'ai fait vigilance avec tout le monde, ça va exprès. Je vais m'avancer un peu avec lui pour voir s'il y a des trucs là-haut. Parce qu'il est toujours invisible après tout. Imagine c'est dans la grange et on a rien ouvert depuis le début. Oh bah... Ouais, y'a rien. Ok, ça va. Kenter, je vais le faire aller en haut, voir s'il y a quelque chose. Rien du tout. Qu'est-ce qui va apparaître? Ah, ok, ils étaient beaucoup plus en fait. Bah dites donc.
Tu peux faire celui de droite ou pas? Je peux pas le toucher d'ici. Est-ce que j'ai d'autres comme perso? J'ai lui. Est-ce qu'avec lui je peux toucher? Je peux pas. Je vais me rapprocher. Quant à lui, du coup, bon, lui il est loin, mais on va quand même le rapprocher pour faire le rire. Ça simulait que t'es protégé. Vigilance. Et lui, bon, il vit sa vie loin. Je peux rien faire, gars, ça, elle a pas bougé de la game. Ouais, t'es là en mode sentinelle. Ouf. Et une volée de flèche pour finir là. Bon, je tire dessus une flèche normale. Vas-y, vas-y. Simulek. Let's go, Simulek qui va level up. Simulek peut-être. Oh non. Ah dommage, il manquait un point. Ah, let's go. Ah, du coup là on peut aller on répare quand même. Bah non, c'est rien de réparer le site, c'est inondé donc ça donnera rien. Donc en vrai, ouais, t'as raison. Autant regarder les fabrications comme tu disais, du coup. Alors, allons voir pour les jeunots. Est-ce qu'ils ont pas des trucs à leur crafter aux jeunes? Pas assez de ressources pour ces mecs. Ok, lui, il a un assain. Chat, oui. Kenter, tu pourrais peut-être me faire une lame sifflante Langval. Lame si... C'est quoi une lame sifflante? C'est littéralement dans les trucs. Parce que moi en DAG j'ai lame tonnante, hein. Lame tonnante? Ah bah ouais, c'est... le nom est reset à chaque fois. Ah ok, d'accord. Bah du coup ouais, je lui fais ça. Hein. Vas-y, vas-y. Et du coup fabrication, hein, on... celui qui va le fabriquer. Ouais, et les autres, ah, du coup on les déplace. Pas... Ah, faut obligatoirement dans un autre village pour fabriquer, je crois. Ah. Non, on l'avait vu, on avait déjà fait plusieurs trucs dans un seul village. Oui, oui. De toute façon, moi j'ai rien à fabriquer, donc en soit. On y va que tous les deux. Allez, vas-y, mec. Attends, du coup, rat. Kutaigasa. Bon, les scanters, ils nous rejoignent après. Ouais. Et puis en vrai, go les jeunes, les faire se déplacer. Ouais, genre, ce que j'allais faire. Un peu en arrière, genre en backup de nous. Genre aux plaines du Lièvre. Oula. Alors qu'est-ce qu'on veut pas avoir? Un truc... C'est bizarre, oh, ça. Oh la Gorgone, non merci, hein, j'ai pas trop envie, on a que ça de toute façon. Nico Rock. Bon, on va mettre que ça. Hein. Ouais, on a 6 points d'héritage, juste un seul, ça suffit. Ok, c'est bon, il a sa dague. Lame tonnante, c'est déjà équipé, j'imagine. Je pense que oui. Je vais te dire ça tout de suite. Ouais, c'est déjà équipé, bon, je vais le déplacer, hein. Oh, je l'aimais, je l'aimais, je l'aimais. Très bien, très bien. Ça, elle se déplace vite. Et là, ils vont aller. C'est inondé, j'arrive pas à avancer, j'arrive pas à avancer, j'arrive pas à avancer. Ok, ouais, et ben. Tu fais votre voyage, moi. Ouais, hein. Oh, mais il va venir en plus. Attends, mais du coup, les autres, est-ce qu'on peut leur faire faire un mur là où est-ce qu'ils sont ou pendant que nous on se tape? Non, on peut pas. Ok. Donc, c'est inondé. Après, je pense un mur, ça sert à rien là. On sait jamais. Bah non, cassez-vous. Oula, oula, oula. C'est pour le combat, ça? Ouais. Ok. Hop, avec Kenta, gâche un peu la bourre. Il y a un genre de cave de ce côté. Ne jette pas... Attends, ne te jette pas dans un souterrain obscur sans moi. Quoi, j'aime tant ça, les souterrains obscurs. Le groupe a été en retard toute la journée au lever sur le chemin... Oh, oula, pardon. Au lever sur le chemin pour trouver un lieu de campement et enfin en repérant ces ruines en pleine nuit. Ce sont les vestiges d'une petite structure gisante sur un versant rocheux aux arbres éparses. Simulek ? Qu'est-ce que ça blase, ça fait trop rire. Qu'est-ce que tu peux me dire sur la région ? Je sais qu'elle a été beaucoup plus peuplée autrefois. Oh, Simulek, le lore master. Quelqu'un d'important est né ici. Oh, un ancêtre de l'homme aux citrouilles. Tu vois de qui je veux parler, allégé en haut ? Cette cave est déserte depuis longtemps. Quelqu'un a travaillé sur cette table, je vois des traces de couteau et des taches. C'est de la cendre par terre? Non, de la craie. Que signifie ce symbole?
Qu'est-ce qu'il y a dans ce coffre? Tu te souviens de ces vers dans le Chevalier d'Opale, quand Spira arriva dans le palais des Dames des Ombres? Ah, ça y est, après moi et l'autre, c'est l'histoire de toi et de Micheline, j'ai plus son nom. Il y a ça. Oh, c'est vrai qu'on a le même âge en plus. Au-delà du portail, les ombres dansent comme les plumes d'un corbeau. Ouais, j'aime bien ce que tu veux. Ombombrant, toute découverte plus obscure que ces sombres oiseaux. La lumière de Spira vacilla d'un instant de se voiliser. Arrête ta mère. Cet endroit ne colle pas totalement, bien sûr. Mais la poésie place toujours la barre trop haut. Après, les corbeaux, c'est mon problème. Le palais de la Dame des Ombres. La Dame des Ombres, oui, c'était mon passage préféré. Vraiment le mec mystérieux. Exactement. Ce coffre est verrouillé par une énigme de Goldmonk. Au cas où ça intéresserait quelqu'un. Mm-hmm. C'est un des coffres magiques à énigmes. Ah oui, des fameux coffres magiques à énigmes. Oh, avec des mots et des nombres. Des mots. Les dieux sont loués. Ça va compter. Rappelle-moi comment ces trucs fonctionnent. On essaie de deviner jusqu'en avoir marre, puis on fracasse le coffre. Ils appellent ça des mots-clés. Un mot ou une phrase capable de débrouiller le coffre. Le verrou magique propose un indice ainsi qu'un champ vide où on va inscrire la réponse. Le voyageur avisé trouve refuge là où... Simulek. Vu l'endroit, je pense que le propriétaire ne devait pas beaucoup voyager. Mouais. Mon l'air circule mieux que ce que je le pensais. On pourrait cuisiner et passer la nuit ici en essayant de résoudre l'énigme. J'espère qu'il y a un arc. Il nous reste des pauvres sauvages, non? Ah bon? J'espère que non. Le groupe descend tout son matériel en bas des escaliers glissants. Rat dégage le conduit de cheminée à l'aide d'une longue branche. Il s'allie tout au passage, mais la fumée peut s'évacuer. Simulek trouve un livre quelconque pour passer le temps et éviter de se rendre utile. Ikasa réussit à préparer un ragoût correct sans vraiment se soucier de l'assaisonnement. Moi en tout cas, chapitre 1, je m'en souviendrai toujours de la meilleure soupe à l'oignon. Ah ouais, la soupe à l'oignon qui a duré 12 000 épisodes. Le groupe note toutes sortes de propositions dans le même temps. Qui réussit à deviner les bons mots-clés? Voyageur avisé trouve refuge là où... Il y a des choix? Non. Ah ok. Ah voilà, oui. Là où son désir d'errance prend fin, là où personne ne l'a encore fait. Là où il n'a aucun. Mal à trouver des femmes. Alors, moi je trouve que la réponse Simulek logique, ce serait la mienne, mais la tienne, elle est incroyable. On fait Simulek ou on fait la tienne? En vrai, pour la blague, je voudrais mettre toi, mais je suis sûr que c'est moi la bonne réponse. Ouais, on va mettre Simulek, mec. Hop là. Let's go. Simulek, c'est le protagoniste. J'ai deviné juste. T'as juste la chance. Ah, vous voilà, je vous cherchais partout. Notre exploration a été interrompue prématurément. Les Gorgones se rapprochent, venez vite. Il y a quoi dans le coffre? Heureusement qu'elle a trouvé la cave. Oups. En fait, Rat, qu'est-ce qu'il y a dans le coffre? Du bric-à-brac, apparemment, mais il y a peut-être quelque chose d'utile dans le tas. C'est sûr que oui, c'est mon coffre. Alors, oh, des PV! C'est gaz. C'est gaz de fou. Alors, bah, moi, attends, qui c'est qui a des PV? Alors, moi, j'ai 8. Oh, j'en veux bien, moi. J'en veux bien. Mais après, faut voir les autres aussi. Ouais. Kenter, il est vraiment faible en PV. Après, il est tout invisible, en vrai. C'est vrai. Simulek, on en met au nouveau ou alors on se booste encore nous plus? Bon, Simulek il est pas encore à la retraite en vrai. Donc, bah, go Simulek. Hein. Et puis c'est pas ouf en vrai. Hein. Bon, alors qu'est-ce qui va nous casser la gueule là? Et ça commence à faire beaucoup là. Là ça va être chaud ça, merde. On esprit de l'eau. Oh, on cool. Ouvre pas les portes. Pitié, ouvre pas Allez, la porte. Grand respect. Salope. Bisous, je m'en vais. Est-ce qu'on va le chercher ou on se. Après. Bon, moi je vais pas le chercher. Moi je vais aller chercher avec. Avec Enter. Je vais pas le chercher avec Enter. Oh, ça gomme. Vraiment tombé sur les deux plus tanky. Hein. Mais je voulais. Pourquoi je me suis pas mis invisible? N'a aucun sens. Alors, ok. Ça, c'est pour aveugler. Ça fait boum. C'est quoi le puits infernal? Ça a l'air bien. Ça fait bim bam boum. Trop de voir la fin du chapitre là. Ouais, je peux lui mettre un tiers de sa barre de vie au crapaud. Enfin, deux tiers, il lui reste un tiers de vie. Ah, ma puce. Et elle, ça part en vigilance. Je les marche sur un piège et c'est fini donc pour eux. Hop là. Ah non. Même pas le piège. On a choisi autrement. Oh non, après, ça trigger le piège en plus. Oh, fait chier. Qu'est-ce qu'il fait?
Détection. Ah, on peut pas être invisible, je crois. Bon, je pense que l'esprit de l'eau, c'est mort en vrai. Hein. Alors. Ah non, il y a toujours le piège, il est toujours là. Ouais. Si, tu le vois pas là, les marques de piège au sol là? Non, je vois pas parce qu'il y a trop de trucs sur mon écran. Ah si, bien vu. Alors, vraiment, les deux moins tankés qui partent au cac là. Ah, en même temps, on a pas la vision. Bon. Hein. Alors, oh bah, je peux le laisser bloquer là, hein, comme ça il va pas nous embêter. Hein. Il envoie des spells de toute façon. Ah, de toute façon, je peux le one shot. Allez hop, ça dégage. 16 de dégâts. Heureusement, le jus de corruption c'est chiant. Tu sais, ils vont venir jusqu'à nous là, vu qu'ils ont été alertés. Moi, je vais aller chercher l'esprit de l'eau, j'en ai plus rien à foutre. Avec qui? Avec Hunter? Pas du tout. Il va pas du tout y aller, puisqu'il y a du poison. Non, je veux y aller avec Scuta, parce qu'elle a beaucoup d'HP. Tu vas la suicider là. Bah, après, je sais pas s'ils ouvrent les portes, s'ils vont venir vers nous. Hein. Si, si. Bah, écoute. Enfin, tu peux y aller, hein. C'est ton perso après Scuta. Hein. Bah, tu vois, ils vont pas venir vers nous. Hein. Non, moi, je vais attendre ici. Hein. Oh, bah, moi, je vais y aller, sinon, y a aucun... ils vont jamais venir. Hein. Moi, j'attends juste que le poison parte. Hein. Je pense pas que tu l'auras l'esprit. Hein. Oh, le cervidé. Oh non, un CR mec FF. Hop là. Adieu. Bonk. Fin du rêve pour lui. Oublie pas que tu peux lacérer avec ton crochet aussi. Hein. Ouais, mais ça fait moins de dégâts. Genre là, si je peux le one shot, autant que je fasse ça, tu vois. Oui, non mais. Ok, y a l'ours. Ouais, l'esprit, je pense qu'il s'est barré. Hein. Oui. Malheureusement. Il va être ici, quoi. Il va pas dans un tour. Il est plus là. Ouais, il est parti. Salaud. Alors, Kenter. Frappe. Ok. Et si je vais derrière. Je Kenter. Ok, j'ai vu lui. Je pense que je vais plutôt aller chercher les autres là, les ratons laveurs. Parce que peut-être que je peux les one shot. Ah. Il te sent le fion. Putain. Ça, c'est décevant ça. C'est vraiment un bandage mou. Tiens, mets-toi à l'arrière des pièges. Ce que j'allais faire. Te mets pas juste là, je vais vraiment me gêner. Ouais. Vigilance. Bah, mets-toi. Ok, d'accord, je t'ai vraiment dit de te pas mettre là. Mais... Ouais, mais t'inquiète, c'est pas grave. Hein. Quoi? Oh, il m'a vu! Oh non, mais Kenter, il est plus invisible! C'est pas grave, Kenter, il va s'en sortir. Il peut pas le one-shot, alors c'est la merde. Après tout, Kenter, c'est ton rival, hein. C'est vrai, hein. Entrave 2. Elle. Hop. Moi, je veux comme ça, l'ours il peut venir, je le provoque et il se prend des pièges. Vas-y. Hein. Tu veux que je reste là ou je me casse? Ouais, reste là, reste. T'as moi. C'est où les livres? Qui touche jamais. Mais là, regarde, ça va toucher, je suis sûr. Oh là là. Non, mais il était temps. Moi, je crois qu'il meurt sur les pièges en plus. Hein. Mais je l'ai provoqué, alors là, là, monsieur l'agent. Oh, Kenter qui va die. Qu'est-ce que c'était que ça? Je crois qu'il y a encore une bestiole. Je crois qu'il y a encore une saloperie. Eh bien... Oh, j'aurais pas dû ouvrir la porte. Dis si mec, t'as bien fait. Qu'est-ce que ça fait barrage? 8 à 10 de dégâts. Ouais. Je vais faire tellement d'attaques. Prends ça la gorgone. La gorgone est dead, le sanglier est dead aussi. Hein. Parfait. En vrai, Scuta, on voit là l'ours. Ouais, elle va tuer. En plus, j'ai pile assez pour tuer l'ours normalement. Nickel. Okay. Ah. Je pense quand même que Kenter est dead là. Non, je l'ai camouflé juste à temps, donc s'il se fait pas repérer, okay, c'est gagné. Ok. Là. Il va venir sur le piège. Ah non, il lance des spells, j'ai oublié. Ouf, okay. Zéro dégâts, immobilisation.
Si c'est des gars, ça, pas grave, elle va à la retraite. Phrase de fou. La tristesse de l'affaire. Kenter, Kenter, mon petit Kenter. Kenter, il serait temps d'aller te cacher encore plus loin, toi. voilà. Quant à Scuta. De toute façon, je peux pas faire grand chose d'autre. Quant à moi, je peux pas me déplacer parce que je suis immobilisé. C'est génial. Quant à moi. C'est pas grave, on va bien. On va toujours bien. Tant que c'est couscous, Scuta. Tant que c'est que couscous. Hop là, griffure de corbeau. Ouah, la griffure de malade. Et bah là, il va mourir, hein. Putain, ça a pris tellement cher. Oh, oui. Kenter qui a un HP, on le rappelle. Oh, je monte au niveau. Oh, tu level up. Genre des trucs de fou, mec, tu verras. On espère. Au pire, tu peux relancer un si jamais. Ah, oh, mousse toxique. Toxique, c'est bien. Oh, vol de corbeau. Attends. Alors, une fois par un... Ça va être... Gars, ça déjà. Oh, je suis tellement content et vieux. Tire une flèche à travers la trajectoire parfaite qui traverse la première cible et touche la cible suivante sur la même cible. Il faut que les cibles soient alignées, c'est bof. Ouais, mais mousse toxique, c'est très bien. Vol du corbeau aussi, hein, t'as esquive plus 25, hein. Ah ouais, non, mais mousse toxique, ouais, t'as raison. Mousse toxique, ça va être pas mal sur le long terme, oui, t'as raison. Ouf. Alors, c'est... Est-ce que quelqu'un, ne serait-ce... Parce que ça a l'air de la merde pour tout le monde, ça, hein. Ouais. Ah, quoique, Kenter, en vrai, ça va. En fait, ça m'enlève de la puissance et je gagne Ablerie. C'est quoi Ablerie? En tuant un ennemi, chance de coup critique plus 20. Ouais, bah, Kenter, on peut les mettre. Très fort, hein. Attribué. Et esquive 5, qui n'a rien. Oh, toi, t'es déjà 67. Ah, après, il a qu'à 48, hein, Kenter, hein, vraiment. Ah oui, ouais, d'accord. Oh, pas Kenter. Kenter, le point faible de l'équipe qui va en face servir à quelque chose. Oh, des serres vidées. Oh, dommage. Bah, on peut se reposer, on n'a pas le choix, hein. On va trouver un objet, hein. Trouver un objet, hein. Avec l'équipe. Il faut qu'il gasse à ce heal, donc... eux, ils servent à rien. Ouais, regarde là, comme ils se reposent, là. Ouf. Waouh. Ouais, top. Précision 5. Bah, ça, c'est pour toi, ça, si t'as rien. Bah... C'est mieux ou pas que ce que t'as? Moi je pense de 112 à 117, mais y'a pas Scuta qui a moins de précision que le son. Ah bah oui, t'as raison, Scuta, bah ouais. Bah là faudrait se reposer, hein, quand même, parce que. Attends, c'est un village ou pas? On peut peut-être faire un mur le temps de se reposer. Mais c'est ça juste rien, à côté du boss. Pourquoi tu veux faire autant faire des choses, vu tant qu'on est. Mais les murs ça sert à rien du tout. Bah si, ça, si jamais y'a un truc qui passe par là, et on sait pas, après ça se trouve, là, suivi du chapitre, y'a un truc. 280 jours. Vas-y si tu veux. Bah, on peut juste faire un niveau 3 tout de suite, on peut commencer à faire un 2, tu vois. Non, on rigole pas ici. D'accord. Tu vois, là ça prend 2 secondes. T'inquiète, on a encore besoin. Eh, ça a tout pile pour le soin de Kenter en vrai. Hein. Oh, pas trop. Parfait, c'est pas grave, le temps du voyage ça suffira. Bah oui. Oh, j'aurais pété un câble s'il fallait construire un col encore. Et les autres en vrai, on aurait dû les décaler dessus. Hein. Bon, on peut toujours, hein. Alors. Et hop. Bah, il y a ça, Kenter, ouais. Rat, Scuta, Simulek. Parfait. Et c'est quoi le truc, c'est niveau puissance 6, c'est nul. Une grotte à flanc de colline fait office d'ultime lieu de campement. Oh, l'ultime lieu de campement. Alors, c'est l'heure de vérité. L'aboutissement de tous nos efforts. Nous sommes. On a un Kenter niveau 2 là. Nous sommes. Le fléau des Gorgones. Nous avons rendez-vous avec l'histoire ici même, car l'histoire de notre peuple doit perdurer. Vérifiez bien votre équipement, c'est notre dernière nuit de sommeil. J'ai jamais vérifié mon équipement. Tout sera prêt. Moi, je suis perdu derrière. Wow. Oh. Pourquoi on a ça d'un coup? C'est mauvais signe. Ok. Ok, d'accord. Construisons notre équipement pour le combat final. Alors. Rat, est-ce que je peux faire une big armure, là? Ah, je peux faire une bien meilleure armure. Oh, ça demande beaucoup de fibres. Mais t'as besoin de fibres magiques, toi? Oui. Combien? 5. Bah, on n'a pas assez pour en faire chacun. Et c'est avec qui que t'as besoin pour quelle armure?
Je peux en faire 3 pour Simulek, au pire. Enfin, je peux en avoir besoin de 3 pour Simulek, plutôt. Bah, ça c'est pas vrai, parce qu'on a 10 et il m'en faut 7. Ouf. Vas-y. Par contre, ça me demande que 3 pots et 4 étoffes. Moi, ça me demande 5 pots et 3 étoffes. 3, 5, 6, 7, 8. Bah, c'est parfait, on a pile assez pour faire ça. Vas-y. Bah, je te laisse fabriquer en premier. La trave furtive. Ok. Ensuite, moi, fabriquer. J'avoue que Igasa aurait pu profiter d'un petit peu d'armure. Est-ce que bah peut-être qu'elle peut encore faire un truc hein. Regarde, t'as une, tu peux faire une armure niveau, niveau 2 en bas de pour Igasa. Ouais, c'est nul pour Igasa. Bah c'est juste vitesse et protection. Ouais, t'as raison. Scoot, elle a déjà ce qu'il faut. C'est mort, je crois, pour tout le monde, là. Simulek est déjà niveau 2. Il peut pas faire de meilleure rapière. Sans t'as déjà ta griffe. Oh, la rapière, je me bats jamais avec. Est-ce que je peux pas tout simplement donner... On peut donner à Kenter un bouclier ou un truc qui peut être intéressant pour lui. Même pour Igasa. Ouais, bon. Bah tu peux lui ça coûte rien du tout. Alors attends, ça, attends, ce héros n'a pas d'arme à une main, cette arme de ce type. Ah, ça me sert à rien, de toute façon. Ouais, voilà, c'est pour ça que je disais pas Igasa. Kenter, est-ce qu'il peut lui mettre un bouclier? Il peut mettre un bouclier. Ça donne. Ok, bouclier réduit les dégâts de 1, sauf. Attaque revers, bon bah. Petit bouclier pour lui. Hein. Ah, tout le monde est mutilé sauf. Oh, bah, juste Kenter et Scootax sont mutilés en fait, ça va. Ouais. Bah, on est bon, c'est hein. C'est bon du coup. Suivant. La vallée de la chimère divine, Moatona. Nous allions livrer un combat perdu d'avance. Bah, super. Bah, au moins c'est dit, hein. Le temps est donné, hein. Même sous les pluies torrentielles. Au moins, il y aura Junon, Kolnasa et Igune qui ont pu voir ce qui se passe. Ils pourront perdurer toute notre histoire ou mourir noyés. Même sous les pluies torrentielles. C'était un bel endroit pour mourir. Oh là là, ça annonce la merde. Ce serait presque comique si ça se terminerait comme ça. Après tout ce qu'on a vécu, si tu finis dans un ultime cocktail, l'adieu. Si je te reprends avec la tête de rire en plein combat... Classique simulé. Regarde ça dans la vie, j'ai repris. Vas-y, c'est toi qui commence, c'est toi, moi. C'est toi. J'aimerais être un peu plus versé dans toutes ces questions. Les dieux, la science. J'ai un peu trop présumé mes connaissances, j'imagine. Ma cheville me lance encore, c'est l'anxiété. Un chemin se dessine parfaitement sur la colline. Et vers leur destin. Alors, mon Kenter qui est niveau 2, il va mourir. C'est ça, il va mourir straight. Hein. En vrai, la Kenter. Ok. Attends, c'est parce que c'est ce qu'on doit tuer en premier. À mon avis, après, il y a le boss qui apparaît. Ouais, c'est pour ça que je dis ok de manière comme ça. Alors, où est-ce qu'ils sont? Eh, hey, en plus, on peut tenir la position ici, ils vont forcément venir vers nous. On peut donner 2 déjà. C'est pas mal. On prendra 2 dégâts dans le prochain truc. Kenter, il va passer en pas feutré direct. Allez, en sentinelle. Et moi, je peux infuser des trucs. Oh, bah, j'ai pas eu le sanglier qui est à côté. Ah, bah, je peux tuer la gorgone et taper en plus un peu le bourre. Ah, bah, nickel. Hop là. A plus de gorgone. Son sanglier il se rapproche, il meurt de la sentinelle d'Igasa. Du coup, vigilance. Hop là. Ah, ok, ils arrivent. Ils arrivent comme des débiles, ça fait plaisir. Stonk. Oh, critique en plus. Comment on est juste heureux alors qu'on sait très bien qu'il va y avoir un assassinat de la part d'un boss là, qui va arriver de je ne sais où. Oh, le cervidé, attention, le cervidé. Je suis vraiment en train de stresser après tout ce qu'on a vécu là. Pareil, hein. Est-ce que... Voilà. J'allais dire... bah le... Il a bientôt plus d'HP là, le... Comment il s'appelle, le gros là. Ouais, le lourd ce mec. Ah bah je vais le tuer là, regarde. Paf. Ah. A déclenché la capacité rivalité. Ah ouais. Regarde ça. Comment ça? On est pas rivaux. Attends, j'ai des rivaux moi. C'est peut-être Kenter, hein. Moi et Kenter là, on s'est insulté nos darons et... Attends, c'est... Mais c'est quand toi t'as attaqué et quand moi j'ai attaqué. On est... Toi et moi on est alter ego. Oh. Ah merde, je le tue pas. J'ai 56% de chance de critique. Je le tente. J'aurais pas dû. Dommage. Après, c'est Kenter. Attends, est-ce que je peux pas le provoquer comme ça il attaque pas Kenter? Eh bah voilà. Après, Kenter, quand t'as fait ça, c'était bizarre parce que ça a quand même attaqué Kenter. Écoute, prenons le pari. Bonjour, vous. Okay. Explosif. Oh, oh bah alors ça me plaît pas, monsieur. Laissez-moi vous dire que je n'aime pas ce que vous me proposez. Attends, je te renforce, toi. Un bon gars. Ok, j'ai juste tout... que tu as distance le cerf là. Ah bah vas-y hein. Attends mais je vais me déplacer avec Scooter du coup. Hop là.
En fait, ça fait des dégâts de partout. Attends, Kenter, je vais le pafeutrer aussi pour être tranquille, voilà, hop. Bon, t'es prêt pour les dégâts. Ah, Kenter va prendre des dégâts probablement. Bah, normalement, non, il est pas dans le rond là. Bah, nickel. C'est bon. Imagine le boss, il arrive en haut à droite là. Ça serait terrible. Alors, l'arbre mort, je peux l'insuffler. Et je vais attaquer du coup le Bartog. Ok, ça lui ferait ça, mais. Oh, ça fait plus de dégâts. Lancer de disque. Nique ta mère et ton père avec. Je vais t'écouter. Ah, toi! Je l'ai oublié, lui. Est-ce qu'il... Ah, ils sont chiants, les trop bas. J'ai vrai. J'ai oublié, pardon. Ça tire de loin. Attends, le tourbar, est-ce que je peux le tuer là? Oh, il lui reste un HP. C'est pas grave. En vrai, ça se passe. J'ai pas trop utilisé mes compétences, donc je pourrais les réutiliser après. Pareil, hein. Non, pas je voulais pas attaquer le décor, vigilance, voilà. Attends, le Bartot il prend 2 points de dégâts du poison après. Ah bah parfait, il meurt. Ah bof. Alors, sans critique, il lui restait 2 HP, c'est pour ça que je l'ai fait. Bah nickel, oui mais t'inquiète. Kenter, en tu vrai, retournes recule, à la maison. Ouais. Allez hop, tous eux ont mis. J'espère qu'il va attirer, nickel. Ah j'avais pas vu qu'elle a son petit compagnon avec. Moi je te laisse tirer dessus, hein. Normalement ça devrait être bon. Il casse ça des Galando, du coup, hein. Il casse ça des Galando. Bah je peux plus le jouer. Ah yes. Je me demande en fait qu'est-ce qui peut encore arriver là. Ah, en haut à gauche, je vois des zones bleues, il va falloir tracer. Ah ouais, ok, on va. Bah en fait, je crois qu'on doit juste se déplacer normalement dessus. Bon, on peut attendre et passer le tour le temps qu'il y a plus de poison. Vas-y, vas-y. Hop, en attendant, moi je vais me déplacer tranquillement, je vais prendre mon temps. Kenter. Et Kenter le bro. Je vais se déplacer dans tous les cas. En plus. Oh, c'est un abuseur simulec. Hein. Comment ça? Ah oui. Voilà. Oh le déplacement, frère! Ok. Je sens que le boss il va apparaître dès qu'on va arriver dans le truc là. Mais c'est sûr, on va se faire casser la gueule. Hein. C'est évident. Hein. Oh, attention, tu veux encore plus d'abus. Je sais pas ce qui s'est passé entre Simulac et Kenter. Aucune idée. Je pense que c'est quand même Simulac. Je vais pas aller tout de suite dans les trucs. Ah, mais c'est la statue de la déesse. Oh. Je vais attendre devant. Hein. Je vais me placer juste devant, mais je vais pas rentrer dedans. J'attends qu'on se rapproche le plus. Regarde, je pense Simulac a plus de points de déplacement. Où est-ce que tu arrives? Ah, effectivement, oui. Bah, allez, on va se déplacer tranquillement, on arrive. Hein. Après, autant envoyer Scuta et. On voit Kenter au pire, genre c'est lui le héros de la fin. Ça me dérange. Après, de toute façon, c'est pour nous tous, hein, peu importe qui tombe dessus. Ouais, c'est pour ça, je sais pas si c'est lui qui aura que le dialogue ou. J'y vais avec Rat, mec. Ok, je vais pas se faire foutre. Après, je suis maudit, du coup, peut-être que je peux enlever la malédiction. Ah tu vois c'est nous tous. Simulac c'est le moment. Tu vois c'est toi le regarde héros. Regarde un peu ça. Ah non c'est toi mec, c'est toi ah qui a la marque. Non j'ai dit Simulac c'est le moment, c'est à dire que c'est toi qui va le faire, regarde. J'étais vraiment là depuis tout ce temps. Pourquoi je parle comme si je connaissais. C'est ton pote. Rapport sur son cou, un métal satiné. Simulac brise le sceau de la beauté de Velda. Mais pourquoi c'est moi qui l'ai. Je sais pas, tu vas juste verser ça sur elle comme ça. Je le vois aucun trou dans lequel verser l'élixir. Oh pardon. Tu es rate. Il verse l'électricité. Kenter en arrière effet, putain. Il verse l'élixir à l'odeur douce amère sur la tête de la chimère divine Moatona. Imagine c'est Moatona en fait depuis le début le chef des Gorgones. Imagine, le malaise. Le plot twist. Ça marche pas on dirait. Bah en même temps il pleut, c'est peut-être imagine pour ça. Imagine c'est du poison aussi qu'ils ah ont ouais donné. Pourquoi on a fait confiance au profondiste de Cash. On avait pas trop le choix j'ai l'impression. Bon, tant pis, on a plus le temps, le trick c'est là. Ah oh, tu le sens, tu le sais, tu le sens. Bah tu oui, je suis bizarre. On va voir sa gueule, c'est que Toulouse, je crois, de toute façon. Au cours de ces années tumultueuses, j'ai perdu pied jusqu'à mon tour. Mais au bout du compte, je savais pourquoi j'étais là. Je sais pas qui parle. Je pense que c'est lui, hein. Ulstric nous a forcé à devenir ce que nous sommes. C'était son rêve, son ambition. Oh ouais. Il nous a... Oula. Ça me donne pas envie, ça. Quand les terres premières ont émergé des eaux, deux mondes se sont matérialisés. Pour Ulstrix, héros des Gorgones, redoutable et arrogant, c'était une erreur qu'il rêvait de corriger.
J'espère qu'il n'y a que lui. S'il n'y a que lui, on fume en vrai. Ah, je mets un moyen. On en sait bien peu sur les choses qui fourmillent et frétillent dans l'obscurité marine. Nous savons que les gorgones sont anciennes. Anciennes, anciennes. elles ont sans doute un caractère immuable. Par vanité, peut-être, j'espère que nous avons réussi à le surprendre. Mais il est possible qu'il se soit joué de nous depuis le début. C'était moi ! Alors, tu vas nous trahir ? Nous avons déchiffré la pierre et trouvé la lance de Pétriver. Nous lui avons porté un coup. Je le crois en la subtilisant. Mais cette spoliation d'un trésor séculaire des gorgones lui a offert un plaidoyer en or, présentant notre espèce comme des brutes cupides. Oh ouais. Éperonné, ces hordes de gorgones se sont ralliées derrière lui pour fuir cette déesse bienveillante. Il était tout seul, il a rallié les armées parce qu'il s'est... Oh, on s'est fait avoir, oui, on est tombé dans son piège. Et l'océan s'est soulevé, et le ciel s'est épanché, et les glaces du monde ont fondu en torrent. Je suis sûr qu'il a cru pour un moment que son rêve allait devenir réalité. Elle puisse affronter quoi ? Oh, mais la déesse ! Il y a la déesse qui est avec nous ? Mais ça ne sera pas. C'est là qui nous tue. Elle nous tue. Ultrix. Ok, hein, puissant seigneur des gorgones. Oh, pousse ses sbires devant lui et se dresse. Servidé et enragé. Oh, il a l'air big. 30 PV ! Immunité contre la contrainte. Les animaux arriveront continuellement. Je pense qu'on focus Ultrix, mais je sais pas où il est pété. Il est tout en bas, frère. Il est tout en bas. Il faut quand même qu'on tape les gorgones. Bah, j'y vais avec. Ce qui mon personnage, la Simulac. Simulac. Qui peut devenir invisible. Bah moi je vais tenter de tuer les gorgones, hein, parce que pas le choix. Hein. Putain. Après je peux leur faire peur aux gorgones en vrai, faut pas oublier. Ah mais ça, non ça vaut pas parce qu'elles vont reculer et vont ramener encore plus, ils vont venir encore plus nombreux. Je pense pas qu'on le fait ce combat là. Je crois que c'est le dernier combat qu'on va faire. Je crois que c'est notre fin, mais il faut qu'on soit digne. Après, si on y va tous les deux en mode furtif et qu'on va l'enchaîner dans le dos comme jamais, il y a moyen. Hein. Ah, mais il y a encore un cervidé, un truc, mais je vais compter sur l'empoisonnement perso. Ah, ça, c'est à toi d'accord de jouer. Oh, décès. Dis-moi, toi, avec le sceptre de. le sceptre que t'as volé. Ah, mais Igasa perd toute sa vie en vrai. Ah. Deux. Ah, FF. Oh. Ah, il se rapproche. Bah, ça va. C'est vrai qu'il se. Quoi? Lancer de cerviné. Oh, qu'est-ce qui se passe? Eh, des flammes, je vais pouvoir les utiliser, ça c'est bien. Après, il y a des mobs qui arrivent en continu, ça c'est n'importe quoi. Ça. Ouais, mais si elles sont bien placées, je peux les flammes, tu sais, je peux les faire passer par tous. Petite volée de flèche là, ce serait pas très bien. Mais attends, mais Simulac d'ici peut le toucher. OMG. Quel Simulac aide. Attends, les flammes. Ah, je peux tuer une gorgone, attends, je peux tuer une gorgone. Vas-y, tue-la. Oh, elle apparaît, dommage. Mais c'était elle que je pouvais tuer. Ah, okay. Ça commence à être cringe là, un peu, hein. Oh, lui, bah il reste. J'ai quasiment jamais raté mes attaques en plus, hein. Alors ensuite, qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste lui. Mais est-ce que je peux. Ah, je pense que je peux tuer une gorgone avec lui. Je peux tuer une gorgone. Nice. Hop là, gorgone en moins. Pour moi, il a un poison de Ultrix. Et je peux le. Eh hey. Attends. Oh, oui, la protection, mets-le à côté de moi. J'allais dire, mais après, c'est quand même. Toi, t'es pas. Ils vont pas t'attaquer, je pense. Oh, je pense que si. Écoute, c'est pas grave. Les deux volants doivent s'entraider. Ok, Ah, ok, il en. Ah, bah, ça va, s'il invoque que des nuls, c'est que les gorgones qui sont dangereuses. Ouais, je pense que c'est random. Oh, parade, de rien, Kenter est là. Oh, il casse ça qui va mourir. Oh, le lancer de il jette des ennemis sur nous. Igasa est mort. Il est mort. Voilà. Oh, quoi? Golmon. Est-ce que Igasa va se sacrifier de façon terrible pour faire 30 points de dégâts? Après tout, elle est bientôt à la retraite. Hein. Oh là 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 là. Ok, là, il faut réfléchir. Alors, feu captif. Comment est-ce que je peux le faire? Là... Ok, je peux tuer la gorgone devant nous, plus faire des dégâts à une autre. Je le fais. Ok, nice. Une gorgone au moins. Elle... Je focus la gorgone ou l'enragé? OMG. C'est quoi? Je vais protéger notre vieille amie en tuant cette gorgone. Moi je tue le sanglier. Ok. Et Kenter et je Kenter, peux tuer. Kenter, tu peux tuer le cervidé. Ouais, je peux essayer de tuer le cervidé, ouais. Pop pop. Allez, pitié Kenter, dis-moi que cette dague vaut le coup. Je vois pas. Cette dague vaut le coup. Parade, pas on a tout. Perdu. Avec un peu de chance, le cervidé attaque Kenter du coup. Tu vois, à chaque fois, t'as vu, y'a que des cervidés et des enragés en fait. Strix il prend cher du poison. Hein. Mm.
Ok, pas mal. Ok, Kenter parade. Révélation du Cervidé. Ok, nice. Cervidé qui prend les pièges. Oh non. Oh, l'esquive. Oh non. Imagine, il a une phase de Ulstrix. Simulé avec Gabesti de Kari. Ok, 2 points de dégâts, mais ça va, c'est gérable. Ok, ok. Wado, wado, scoutaïga, ça. Les... Qu'est-ce que tu... Ton personnage, il fait rien depuis tout à l'heure, il vient de calculer. Qui? Mais tu sais que simulé qu'il est en train de 1v1 Ulstrix, là. Mais on n'a pas le choix. Mais moi, Rat, il envoie des... Il brûle tout ce qui passe, hein, c'est à okay, cause... Ok, bah, nickel. J'ai tu sais qu'il non. a plus que 8 HP, Ulstrix, hein. OMG. Et il est full empoisonné, hein. La Gorgone va mourir des flammes après. Ah bah elle meurt direct. Hop là, ça c'est fait. Moi j'ai vraiment été là, j'ai brûlé les Gorgones à vif. Oh attends. Simulek en goutte. Simulek. En vrai j'ai envie de tenter la provocation sur Ulstrix. Genre tu sais, j'arrive au bord et je le provoque. Bah tu peux hein. Comme ça il se rapproche et. Alors Ulstrix. Come là, on me. Ton prochain il est mort je crois. Et je provoque le bord pour laisser les autres tranquilles. Voilà tout le monde, je provoque tout le monde, venez vous battre! Avec Igasa, j'essaie de te mettre la protection. Oh, Kenter qui peut tuer le bord. T'aurais peut-être pu tuer le Cervidé plutôt là. Mais je pouvais pas le toucher en fait, c'est ça le problème. Ah, ok. Croix et punir, bah tu peux encore taper, non? Ah, pas mal. Non, de toute façon, je t'ai dit, je pouvais pas l'atteindre. Oh, 6 points de dégâts du poids. Ulstrix est décédé. Ouais, 100%. Hein. Ok. En vrai, heureusement qu'on a tué les Gorgones parce qu'elles nous auraient tué deux personnages si on les avait pas tués en premier. Oui, les Gorgones. Oh, oh. Ok, Kenter, c'est bon. Il est enfin viable. Simulek. Oh non. Oh non. Écoute, attends. Il y a des choses qui se tentent. Enfin, je crois que j'aurais pas la distance pour le faire. Ça, il meurt du poison en vrai, Ozef. Oh, attends, j'ai quand même envie de tenter ce qu'on appelle une attaque de feu captif. Brûle. Oh non, 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 il meurt dans tous les cas. Quel dommage, ça aurait été épique. Bon, avec elle, ouais, elle peut rester comme ça, vigilance. Bon, on fait ce qu'on a à faire ici. Kenter, il va tuer le Cervidé. Bon. Après, si Igasa survit à ça, c'est légendaire. C'est incroyable, hein. Bon, en vrai, là, vu qu'on a gagné, autant juste se dire... Je suis pas sûr, ça se retrouve, il y a une deuxième manche, mec, hein. Fais gaffe, hein. Ça va être vaincu. Oh, mais j'ai pas vu qu'il y avait un sanglier en face d'Igasa. Ouais, bah en fait, c'est pour ça, je me dis, est-ce que je me prends des dégâts du poison pour se mettre à côté pour qu'il m'attaque moi du coup? Bah, comme tu veux. Hein. Je vais faire ça. De toute façon, après, ça prend que un dégât de l'armure, hein, c'est pas tant. Voilà. Au pire, avec un peu de chance, il m'attaquera moi. Yes, il est mort. Simulek, il a 1v1 Ulstrix. Oh, et l'autre, il est mort brûlé. Le cerf est mort brûlé. Ah, oui, mais ah, après, tu vois, on c'est fait ça, quoi, il faut quand même finir ce qui reste. Ah non, c'est bon. Bah, GG! Et qui ne donne pas beaucoup d'XP hein, ce bâtard hein, quand même hein. Simulé qu'en légende. Ah alors qu'est-ce qu'elle gagne avant de partir en retraite là? C'est quoi la dernière amélioration avant de partir la en retraite? La 3 points d'armure à un ennemi. Bon c'est la serre ça hein. Voilà, ça sert plus à rien. Bon de toute façon ça sert plus à rien donc... Ouais. Ulstrix le terrible s'effondrait enfin devant nous. Son cadavre nauséabond tressaillait encore, c'était terminé. Purée Simulé qu'en blablabla. Certains pourraient dire que nous avons sauvé le monde. Et c'est vrai, nous en avons sauvé les braises rougeoyantes. Nous avons recueilli les brandons de la vie. Nous les avons gardés à l'abri de l'eau. Nous les avons portés jusqu'au jour nouveau. À travers ruines, morts et destruction. Oh, Ripperly, ça n'a jamais sorti de la pétrification, cela. Il faudra du temps pour que les eaux se retirent et emportent avec elles la douleur des souvenirs. Pour reconstruire. Tourim. Pour guérir. Eh, qui est trop content, ouais. Je servais à quelque chose uniquement un peu à la fin. Oh, nous deux. Oh. Et pour connaître un jour peut-être une vie nouvelle. Mais je pars avec ma femme, moi. Bah non, t'es avec moi, même. Notre histoire n'était qu'un j'ai début. J'ai quitté ma femme pour Simulex. Snourf. Fin. Oh, incroyable. Mais du coup, c'est parce quoi quand on est en retraite? Je sais pas du tout. Vous avez gagné. Nombre de villes 3, cassure, fin de partie, ok, total. A et 2P. Oh, j'ai pas compris. Fin. Ah. Attends, on va voir un peu notre aventure, ils vont se déplacer tout seuls et on a avec les crédits. Oui, on est. Oh, on nous voit plus jeunes et tout. Ah, mais oui, on voit notre passé. Oh, c'est trop bien. Quelle histoire. Quand on était vus pour la première fois dans leur grotte, là pour leur gruau.
Pour lui, le vieux rêve de Igun posséder sa propre tour de recherche personnelle s'est enfin réalisé. Elle était pleine de bocaux remplis de liquides colorés conservant des morceaux de monstres, pour impressionner les autres mystiques de passage, bien sûr. Incroyable, il y a une histoire. Oh, tu te souviens, j'avais la coupe comme ça. Oh oui, je m'étais fait attaquer, oh, j'étais si jeune. Tous les matins, ah. Igasa sortait pour regarder le soleil se lever. La plupart du temps, elle restait pour avoir de la compagnie. Le lever de soleil en compagnie au saut du lit. Et je ne trouve pas de rime en hey. Bon, je retourne me coucher. Chut, Simulek, la demi-heure en silence, chaque nouvelle aube doit être célébrée de nos jours. Attends, mais en fait, t'es avec elle en couple ou quoi? C'est toi le bébé, tu sais pas. Non, mec, des amis d'aventure. Quand t'as dit non, il faut les laisser planter. Mais c'est la meuf avec nous, c'est la guerrière là. Oui, mais j'ai. Elle a tellement changé là en vrai. Alors, je nous rassembla autant d'histoires de la compagnie qu'il le put et demanda à Colnasa de les illustrer. Tu m'avais dit que tu savais peindre, mais pas que t'étais si doué. On en parle que le mec qui a le plus réussi, c'est le random fils de Igasa qu'on a jamais joué, qui est en train de faire une tour pour les matchs. Scooter et Rat ouvrir... Moi, je te laisse la pour toi. Scooter et Rat ouvrir une taverne ensemble à Léger en haut. Scooter réunit des recettes d'ailleurs. Ah merde, on a pas pris le temps. Vas-y, à toi. Ah, moi, j'ai Rat par amour pour Scooter, toléré tant bien de moi que le bruit de l'agitation. Okay. Konasa devient un jour la nouvelle dignité des marinades au vinaigre, quoi. Je sais que ce que tu veux de me demander, abstiens-toi. Ah, Kenter construit une cabane qui attira d'autres passionnés de la chasse. Ses visiteurs et lui passaient leur journée à traquer des animaux dans les bois et leur soirée à exagérer leur... oui, vas-y, l'emprise. C'est tellement nul, Kenter. Oh, quand je venais à peine d'être empoisonné. Oh, Simulek devient une véritable attraction locale à Ponette en grave. On trouvait la plupart du temps sur la place, échangeant des histoires absurdes, prodiguant des conseils. On vient devant nous, non. C'est vraiment Simulek like. Ah, Simulek le Chad. Et Rat, il va se faire foutre, il devient pas un monstre des ténèbres. Oh, j'avoue, c'est le tout début ça. J'avoue que Rat, on lui pisse dessus. Ah, c'est quand ça brûlait et que la guerrière est venue. Certains jours, Rat et Scooter se sentent moins proches lorsque la vie les séparait physiquement ou que leurs souvenirs les entraînaient au loin. Oh, les tombes sont pleines de mauvaises herbes, mais je ne les ai pas arrachées, j'aurais dû. Mais il ne leur fallait jamais bien longtemps pour les retrouver, même si ce n'était pas que par la pensée. Oh, j'ai vu parler. Oh, que Rat, il se fait pisser au cul. Hein. Mmh. Ah, tu refais dans ta tour, toi. Ah, j'ai pas la suite, attends, moi ça vient doucement. Bon, on a fini en plus. Ah, regarde, il y a le démon, il est dans son cul, là, je suis. Attends, mais est-ce que du coup, il y a un cliffhanger en mode. C'est toi le méchant d'après. Imagine, en fait, il s'est laissé mourir parce qu'il sait qu'il reviendra avec moi. Ces héros sont ajoutés à votre héritage, mais bien sûr, ils vont tous être dans l'héritage, les premiers. Moi, j'ai rien, je peux juste me passer. Mais attends. Ah, je vais essayer un héros à promouvoir. Les héros sélectionnés accéderont au rang supérieur dans l'héritage avec de nouveautés, objets, machin. Plus le rang du héros. Si vous voulez, couchez-moi. Bah, moi, c'est Rat, même si les autres, je les aime bien, mais. Ah, on peut en faire deux. Simulek et Rat. Comment ça, deux? Moi, j'en ai sélectionné un, ça m'a. Bah, moi, j'ai sélectionné. Bah, moi, je peux cliquer sur promouvoir pour Rat. Je fais. Bah, mais Rat, hein. Hop là. Ah, et du coup, ouais, bah, Simulek bon aussi, du coup. Ah, bah, je mets Igasa, du coup. Attends, mais fais Simulek. J'ai fait Simulek déjà, moi. Ah, tu l'as déjà fait? Ouais. Bah, du coup, je vais faire Skunta, hein. Skunta, hein. Rip pour Kenter, hein. Au pire, je te fais toi, tu me fais moi. Bah, je viens déjà de faire moi, donc... Ouais, mais là, tu peux faire sur moi. Ouais, mais après, on s'en fout, parce que c'est ton histoire, tu vois, non? Ouais, vas-y, bon, il gagne ça. Et Skunta. Je pars à la retraite. Okay. Arme élémentaire débloquée dans l'héritage. Il vous sera possible de les fabriquer au cours de toutes vos parties suivantes, ok? Puis du coup, on nous voit dans le menu là. Attends, du coup, mon héritage, héros. Héros. Est-ce que du coup, ils sont dans une petite taverne tous heureux? Ouais, ils sont tous là. OMG! Ah oui, on peut voir leur histoire et tout, leur relation. Oh, t'as pas de relation pour l'instant. Oh, ça, c'est dommage, on a pas pu les voir avant la fin. Ouais, la relation. Mais après, j'ai tout. Incroyable, 57 ans et tout, quelle belle histoire, hein. De BG Boys Club. Ah ouais, on voit même la date de création et tout. Oh, on peut recruter. Ouais, parce que je crois qu'on peut faire une histoire avec eux. Dans une nouvelle save, on pourra recruter par exemple Igasa, qui est du coup une idole dans ma game, et du coup, bah c'est... Ah bah oui. On pourra la recruter plus jeune, mais ce serait une idole. Incroyable. Comme Simulek. Imagine, on recrute Simulek Galbustine. Oh là, il rate. OMG, mais c'est trop bien. On relance une game pour tester ou... Vas-y, attends, dans 5 secondes, je vais pisser et on en fait une nouvelle. Vas-y.
Hop là, YouTube, voilà. J'espère que t'as kiffé, on a fini notre campagne. Non mais vraiment, ce jeu est incroyable, je vous le conseille trop. Bien évidemment, comme vous voyez, notre nombre d'abonnés, c'est pas sponsor. Mais en tout cas, c'est vraiment trop cool. Conseil, si vous aimez les JDR, c'est un must-have, il est incroyable ce jeu. Nous, on va enchaîner, on va faire une nouvelle campagne, mais on en a fini. En tout cas, c'est un let's play fini, MDR. Putain, je m'attendais pas à ce qu'on réussisse, hein, parce qu'on avait vraiment galéré sur certaines missions. Mais c'est très cool, voilà. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager, ça ferait extrêmement plaisir. N'hésitez pas surtout à aller voir en description, il y a un lien vers la chaîne Twitch, la chaîne YouTube VOD, Twitter, Discord, tout ça, c'est cool. Voilà, je fais des gros bisous et à la prochaine. Ciao, ciao. Something in the woods is very strange. Creatures lurking suffer worse than